Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien prendre place. Monsieur le Secrétaire Général. Permettez-moi tout d'abord de saluer la présence de Monsieur le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner, cher Patrick Kanner, de Alexis Reed, conseiller pour les politiques interministérielles et locales de jeunesse auprès du ministre, de Madame Mariam Bessem, directrice adjointe de cabinet en charge de la jeunesse auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et Monsieur Nicolas Delaunay, directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Locales. Un tout petit mot avant de commencer, j'ai à vous faire part de la démission évidemment de Bernard Stelter, qui représente le groupe de l'artisanat. Il a fait connaître sa décision auprès du bureau. Alors, conformément à l'article 4 de notre règlement intérieur, dispose que la vacance, voilà, dans la composition du bureau est pourvue lors de l'assemblée plénière qui en suit l'annonce sans que ce délai puisse être inférieur à 2 semaines. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons valablement procéder au remplacement de M. Telter au bureau dans 2 semaines, lors de notre séance plénière du mercredi 25 janvier. Le vote aura lieu dans les conditions habituelles, c'est-à-dire, c'est la procédure, à bulletin secret par appel nominal à la tribune. Alors, pour ne pas décaler le programme prévu, je vous propose que nous puissions commencer à 14h, vu que cette procédure est assez longue. Donc, notez bien dans vos agendas que le mercredi 25 janvier, la séance démarrera à 14h. Avant que nous démarrions sur le projet d'avis et d'appeler les rapporteurs, je voudrais juste donner une information. Hier, au vœu du président de la République, au bureau des assemblées et au corps constitué, on a évoqué le Conseil économique, social, environnemental, et quand je dis on, c'est le président de la République, pour souligner le rôle que pourrait jouer le Conseil économique, social, environnemental, en particulier sur le champ des pétitions, et que pour lui, il lui apparaissait que cela pourrait être une bonne idée, que ça puisse être un filtre ou un pré-filtre pour les deux assemblées. Donc la façon dont on envisage les au sein de cette assemblée semble partagée par un assez grand nombre. On a d'ailleurs reçu hier soir avec le bureau Nathalie Kosciusko-Morizet, donc une autre tendance, et on était un peu sur cette logique où ce Conseil économique, social, environnemental pourrait jouer ce rôle de préfite pour les deux assemblées. Donc c'est une idée à poursuivre, à travailler et à mettre en œuvre suite aux travaux qui ont été faits dans la mission qui a été réalisée par Dominique Gillier. On va démarrer tout de suite sur le sujet d'avis place des jeunes dans les territoires ruraux. Donc j'appelle les rapporteurs Daniel Évin et Bertrand Colli, donc pour les sections de l'éducation, de la culture et de la communication et aménagement durable des territoires. Il existe une véritable vitalité associative sur ces territoires et des jeunes qui n'hésitent pas à participer à la vie associative et à s'engager. À Redon, donc, qui est situé entre 3 départements et 2 régions. Pays Basque, la mission locale de Langres. Milieu rural à Chandonnier dans les Deux-Sèvres. Dans l'Oise, à Ansovillé. Nous, notre projet, c'est le projet Dragon Ladies, donc dit les conquérantes dans le Calvados. Je travaille sur un projet de mise en collaboration avec des jeunes, où on a travaillé sur le débat entre des jeunes et des personnalités politiques, donc que ce soit donc le maire par exemple, ou le représentant de la communauté de communes, ou des députés. Dans nos fabriques, il y a forcément ces espaces qu'on appelle souvent café associatif, mais où effectivement autour d'un café, on peut refaire le monde. On a créé une équipe de 10 jeunes. Le projet de la fabrique, c'est d'avoir une structure pour les jeunes dans le milieu rural. Un lieu qui pourrait justement regrouper ces jeunes. Et s'ils ont un projet, le communiquer, le partager avec d'autres et surtout les donner le moyen de pouvoir monter leur projet et aussi de rencontrer l'autre. Du Pays Basque aux Grandes Écoles, c'est l'association des étudiants et des diplômés de tous les lycées du Pays Basque qui ont intégré des filières sélectives et qui se sont réunis pour apporter une aide concrète aux lycéens du Pays Basque qui ambitionnent de faire ces cursus. C'est une association qui agit pour l'égalité des chances, pour que
ces lycéens-là puissent réaliser leur potentiel où qu'ils soient nés. Mais c'est également une association qui agit pour que cette jeunesse-là ne soit pas perdue pour le territoire et qu'elle puisse un jour rendre les compétences qu'elle a acquises, les expériences qu'elle a faites sur le territoire. On ne peut pas se déplacer comme on veut. Je pense que la question de la mobilité est vraiment à revoir. Moi, j'ai créé mon entreprise de fabrication de chaussures artisanales. Donc, c'est une entreprise individuelle, je fabrique toute seule des chaussures de A à Z à la main en milieu rural. Et je me suis installée dans un village parce que j'avais envie de m'installer dans un village, parce que c'est mon cadre de vie et que j'avais aussi envie de mettre ma petite pierre à l'édifice d'une économie rurale. Ateliers un peu de type Fab Lab, mais aussi de bricolage, de bidouillage qui vont être créés dans ces fabriques. Ce projet, il a duré tout cet été. Cette collaboration pourrait être dupliquée sur l'ensemble des territoires ruraux. Que les jeunes des territoires ruraux soient leurs propres acteurs en fait, du territoire. D'une façon générale, les politiques en direction des jeunes s'arrêtent à l'âge de 16 ans et qu'il est extrêmement difficile après d'imaginer que des politiques publiques concernent des tranches d'âge plus importantes, sachant que beaucoup d'élus, comme des professionnels de jeunesse, considèrent que soit effectivement les jeunes poursuivent des études et les poursuivent en général hors du territoire, soit ils sont pris en charge par des structures comme des missions locales et qui les aident à trouver un emploi, se qualifier ou être orientés. Et donc ça, c'est une première observation. La deuxième observation, c'est que finalement, si vous voulez, sur ces territoires, il y a tout de même peu de possibilités pour les jeunes de travailler. Parce que ces territoires sont relativement pauvres en ressources et en termes d'emploi, que les formations ne sont pas adaptées ou qu'elles sont de faible niveau, et que donc les jeunes sont obligés effectivement de partir du territoire, que très souvent ils ne reviennent pas sur ce territoire parce qu'elle n'est pas en capacité effectivement, les communes ne sont pas en capacité de proposer des emplois et qu'il n'y a pas suffisamment de dynamique en termes d'emploi, en termes d'employabilité. Monsieur le ministre Patrick Kanner, mesdames, madame et messieurs les conseillers des ministres, mesdames et messieurs, chers collègues, chers spectateurs, la vidéo qu'on vient de voir, elle nous semblait importante pour mettre en lumière une contradiction que révèle la vie sur la place des jeunes dans les territoires ruraux qu'on a réalisée, cette contradiction qui est que, à la fois sur les territoires ruraux et les jeunes qu'on a pu rencontrer, on se rend compte qu'ils ont plus qu'ailleurs envie de se prendre en main, de porter des projets, de s'investir pour vivre sur ces territoires, que ces territoires, plus que les autres, ont besoin de ces jeunes pour s'inventer un futur, et dans le même temps, se rendre compte que sur ces territoires-là, ce sont les territoires où ils sont souvent les moins considérés et les moins pris en compte, notamment au sein des politiques publiques. Plus concrètement, nous avons voulu répondre à différentes questions, à la fois qui sont les jeunes ? Et comment vivent-ils dans les territoires ruraux ? Comment améliorer leur qualité de vie ? Et enfin, comment considérer les jeunes comme des acteurs à part entière du développement de ces territoires ? Cet avis n'aurait pu être possible sans l'aide de beaucoup d'acteurs. Nous tenons à remercier l'ensemble des auditionnés, soit près de 70 personnes, des chercheurs, des acteurs institutionnels, des acteurs de la jeunesse et des territoires, des conseillers des Césaires et des porteurs de projets. Ce travail a été le fruit de la collaboration entre deux sections, la section aménagement durable des territoires et la section éducation, culture et communication. Nous tenons également à remercier très fortement les administrations de ces sections. Ce travail s'est aussi appuyé sur l'avis du CESE, notamment sur celui du dynamisme des territoires ruraux, voté en octobre 2015, car, comme nous le notons dans le rapport, il y a évidemment une communauté de destin entre les jeunes et les autres habitants d'un territoire. Nous avons en ce moment une pensée toute particulière pour les jeunes porteurs de projets que vous avez pu voir sur la vidéo, que nous avons rencontrés le 13 octobre dernier, une pensée pour leur dynamisme et leurs actions territoriales. Certains d'entre eux sont en tribune aujourd'hui. Merci à vous. Ou nous regardent via le streaming. Encore vraiment un grand merci pour votre venue dans ce lieu. Notre présentation va donc se faire en deux temps, une première partie qui sera consacrée au constat et une seconde aux préconisations.
Alors Bertrand, parlons constat. Pour les constats, donc la méthode que vient d'exposer Daniel nous a permis de dresser un constat en trois parties. À la fois, qui sont les jeunes ruraux? Comment s'engagent-ils sur ces territoires? Et comment sont-ils pris en compte par les politiques publiques? Alors, qui sont-ils? La question est finalement complexe, à la fois parce que les profils des jeunes dans les territoires sont divers, et les territoires ruraux encore plus. En tout cas, plus complexe que les clichés parfois véhiculés sur les jeunes ruraux. Cependant, nous pouvons dire qu'il y a 1,6 million de jeunes de 15 à 29 ans sur les territoires ruraux. L'autre question que nous nous sommes posées, c'est y a-t-il une différence entre les jeunes ruraux et les jeunes urbains? Y avait-il un sens à faire cet avis? S'il est vrai que les modes de vie se ressemblent, on a pu montrer à travers cet avis qu'il existe encore des vraies spécificités, des caractéristiques des jeunes qui vivent sur ces territoires. Trois points nous semblent particulièrement importants pour les décrire. D'abord, leur insertion professionnelle. D'une part, ils ont des meilleurs résultats scolaires jusqu'à la troisième par rapport aux moyennes nationales. Ce qui montre aussi l'efficacité de l'école en milieu rural qui arrive à combler des inégalités. Alors qu'on sait que dans les territoires ruraux, les classes populaires sont davantage présentes que sur les autres territoires. L'autre point, c'est que les jeunes ruraux se tournent davantage vers les filières professionnelles. Après la troisième, ils sont 50% en milieu rural à choisir cette voie contre 40% des jeunes urbains. La moindre offre de formation restreint souvent les choix dans les territoires éloignés des grandes villes. Enfin, les jeunes ruraux font des études supérieures plus courtes. Ainsi, ils sont 7,3% des jeunes à posséder un diplôme universitaire du deuxième et troisième cycle, alors qu'ils sont 15,4% pour les jeunes urbains. De ce fait, l'entrée sur le marché du travail se fait généralement de manière plus rapide. Le taux d'emploi est plus élevé que chez les jeunes urbains, et si le taux de chômage est relativement moindre, même s'il est très différent selon les territoires, on se rend compte que le nombre de jeunes ruraux sans emploi ni formation est particulièrement élevé. Il représente ainsi 24,4% des jeunes dans les territoires ruraux contre 20,8% dans les territoires urbains, de ceux qu'on appelle les NEET, selon la terminologie européenne. Ils sont, et comme le reste de la population en milieu rural, fortement impactés par les questions de mobilité. Impactés financièrement, parce qu'avoir un véhicule et l'entretenir coûte cher. Impactés économiquement, en particulier sur leur employabilité, où ils sont nombreux à avoir des difficultés à se rendre à leur travail, à leur formation ou aux lieux d'accompagnement tels que les missions locales ou Pôle emploi. Ainsi, 32% des jeunes dont nous avons pu, sur le chiffre qui s'affiche derrière moi, n'ont pas pu assister à un entretien lié à l'emploi, faute de transport. Mais ils sont également impactés culturellement, sur l'accès aux infrastructures, socialement, sur les choix qu'ils peuvent faire, jusqu'à l'accès aux soins et à l'ensemble des droits de manière plus globale. Il y a également des inégalités entre les jeunes femmes et les jeunes hommes, particulièrement marquées à travers le travail qu'on a pu faire et qui a été éclairé, nous semble-t-il, par la vie. Premièrement, on observe une division plus genrée qu'ailleurs des rôles sociaux, dans l'orientation, les loisirs, l'occupation même de l'espace public. Si on prend l'exemple de l'orientation, lorsque les jeunes choisissent la voie professionnelle, les jeunes femmes en particulier, choisissent prioritairement les métiers du social quand elles délaissent plus qu'ailleurs les métiers traditionnellement masculins, comme le bâtiment ou la mécanique. Elles sont également plus impactées par le chômage et le travail partiel. Ainsi, vous pouvez le voir sur le chiffre, dans les zones de revitalisation rurale, les chômeurs de moins de 25 ans sont pour 61% des jeunes femmes, alors qu'il est de 50% en moyenne nationale. Daniel va maintenant vous parler de leur engagement. On vous l'a dit, on a parlé de contradictions. Les jeunes s'engagent, ils s'engagent fortement. La vidéo de présentation vous a montré qu'une infime partie de la richesse des projets qui existent. Un chiffre à retenir, 18% des jeunes ruraux sont bénévoles dans des associations, contre 13% des jeunes dans les villes de plus de 5000 habitants ou dans les grandes agglomérations urbaines. Oui, ils se sentent pour beaucoup appartenir à leur lieu de vie,
Mais paradoxalement, les jeunes ruraux n'ont pas confiance dans la politique. Une étude menée montre que 92% d'entre eux ne font pas confiance aux politiques. Leur confiance dans le Parlement a chuté beaucoup, passant de 64% en 90 à 38% en 2008, alors qu'elle est restée relativement stable chez les jeunes urbains. Nous sommes posés enfin la question de la prise en compte des jeunes ruraux dans les politiques publiques. Par rapport à cette question, il convient d'abord de rappeler que la jeunesse est désormais un nouvel âge de la vie, un âge de transition fait d'allers-retours et d'événements marquants, accès à l'emploi stable, sortie de domicile familial, accueil d'un premier enfant. Cette période pose des problématiques spécifiques en termes de santé, de logement, de mobilité, d'accès à l'emploi et plus largement d'accès aux droits. Or, en milieu rural particulièrement, les politiques jeunesse, lorsqu'elles existent, sont liées à l'enfance et s'arrêtent en général vers 14 ou 16 ans, ou liées au sport et aux loisirs, sans répondre aux problématiques bien plus globales soulevées entre 16 et 30 ans. Et du fait de leur faible nombre, souvent oubliés dans les politiques plus globales d'emploi, d'accès, de logement, etc. Cela se traduit dans les faits. Une étude en Ille-et-Vilaine, qui s'affiche derrière moi, montre que 9 communes sur 10 urbaines a pour priorité la jeunesse, lorsque c'est qu'une commune sur 4 dans les territoires ruraux. Enfin, il existe un problème de représentation, particulièrement important dans les territoires ruraux, où la jeunesse est davantage vue comme un problème que comme une ressource. Ainsi, une étude de la CNAF montre que les élus ont des difficultés à appréhender le public jeune, soit parce qu'ils n'arrivent pas à savoir précisément ce qu'ils veulent, dit ce rapport, soit parce que leur demande est considérée comme impossible à satisfaire. Tous ces constats nous amènent à 3 volets de préconisation que va vous présenter Daniel. Nous vous l'avons dit, se préoccuper des jeunes dans les territoires ruraux peut prendre de multiples formes. C'est pourquoi nous ne pourrons vous exposer la totalité de nos préconisations. Nous faisons donc le choix de vous en donner 3 majeures. Il s'agit de la compétence jeunesse obligatoire, des campus ruraux de projet et des pactes ruraux jeunesse. Comme vient de le préciser Bertrand, il n'existe pas aujourd'hui de compétences jeunesse obligatoires dans le panorama des compétences des collectivités territoriales. Nous en sommes tout à fait conscients. Cela conduit, par ailleurs, à un éparpillement de la gestion des problématiques des jeunes dans les politiques publiques, à un manque de coordination ou éventuellement à un oubli. Pour pallier cela, nous proposons donc d'instaurer une compétence jeunesse obligatoire dans les communautés de communes, car elle nous paraît être l'échelon pertinent pour mener à bien une véritable politique jeunesse sur les bassins de vie. Il faut profiter des mutations des collectivités territoriales pour proposer ce changement. Alors pourquoi une compétence jeunesse obligatoire ? Pour mieux structurer l'action des acteurs autour des questions de la jeunesse et coordonner les acteurs existants. En effet, en l'état actuel des dispositifs, il existe peu d'outils mobilisables pour prendre en compte la totalité des champs qui concernent les jeunes. Comment cela fonctionnerait-il ? 3 éléments nous semblent importants à prendre en compte. Tout d'abord, la réalisation de diagnostics territoriaux précis pour connaître les besoins des jeunes du territoire et les moyens locaux disponibles ou existants. Utiliser des outils pertinents, nous pensons notamment à 2 outils particuliers. D'abord, créer des projets jeunesse de territoire, à l'instar des modèles des PEDT, projets éducatifs territoriaux, sur lesquels effectivement les collectivités locales et les responsables territoriaux ont eu l'occasion déjà de travailler et de s'exercer. Mobiliser aussi également des conseils de développement, qui semblent être des lieux importants de la société civile. Enfin, faire participer les jeunes à l'élaboration et à l'évaluation de ces politiques, en favorisant les lieux propices à l'échange entre élus et jeunes, éventuellement en limitant également le nombre de mandats dans le temps. Un des outils de cette compétence jeunesse peut être les campus ruraux de projet que Bertrand va vous exposer. C'est notre 2e préconisation, créer des campus ruraux de projet. Alors c'est quoi ? C'est mettre en synergie les acteurs, les projets, les moyens qui existent sur un territoire pour susciter l'envie des jeunes de créer des projets et les accompagner dans leurs initiatives, qui peuvent aller de l'engagement à la création d'activités économiques. C'est aussi rendre plus visibles les outils existants pour créer ces projets. Ces campus, tels que nous les imaginons, doivent s'appuyer sur les acteurs présents sur les territoires et que nous avons pu rencontrer, les missions locales, les associations, notamment d'éducation populaire, les
acteurs, les chambres consulaires et les acteurs du développement économique plus largement ou de l'économie sociale et solidaire. Cela nécessite aussi de renforcer les dispositifs mis en œuvre, les dispositifs pour les rendre opérationnels sur les territoires ruraux. Pour exemple, développer le service civique passe pour nous par mettre en place une bourse, comme ça se fait pour le service volontaire européen, qui permette de faciliter l'engagement et la mobilité des jeunes ruraux. En effet, il nous paraît important de favoriser des mobilités longues au sein de chaque parcours. Concrètement, il s'agit de faire exister par ces campus sur chaque bassin de vie des lieux, soit existants à partir d'acteurs déjà présents, soit de créer directement un campus rural de projet, compétent en ingénierie de projet et qui permettrait de rendre possible aux jeunes de devenir des acteurs du développement local. La dernière. Notre troisième et dernier volet de préconisation porte sur la mise en place d'un pacte jeunes ruraux qui s'appuierait sur les dispositifs existants comme par exemple les contrats de ruralité. Le gouvernement a mis en place des contrats de ruralité pour développer les espaces ruraux et réduire les inégalités entre les territoires. Ces contrats sont signés effectivement entre le gouvernement et les collectivités, présentent des objectifs et des moyens financiers particuliers. Nous proposons au sein de ces contrats de créer un volet jeunes ruraux pour que les problématiques liées aux jeunes soient prises en compte dans le développement local. Alors, quels objectifs ? Nous souhaiterions que ces pactes jeunes ruraux s'orientent vers 5 thématiques particulières. L'égalité entre les hommes et les femmes, l'accès à la formation, l'accès au logement, l'accès à la mobilité physique et l'accès à la santé. Nous avons le choix aujourd'hui de faire le focus sur trois de ces thèmes qui nous semblent importants. L'égalité hommes-femmes. Nous proposons de mieux former les animateurs jeunesse et les animateurs sportifs, mais également les élus locaux et les agents en charge de l'orientation scolaire à cette thématique genrée. Nous proposons également de prendre en compte cette dimension dans chaque schéma, projet, budget local. Sur la formation, nous proposons de diversifier les filières de formation sur les territoires, mais aussi de renforcer les actions du service public régional de l'orientation en faveur d'une meilleure coopération entre les acteurs de l'orientation. Nous souhaitons aussi favoriser la mobilité des jeunes par l'attribution de bourses au logement et au transport. Enfin, sur la mobilité, nous souhaitons favoriser les systèmes d'autopartage et de covoiturage. Nous proposons également d'intégrer l'apprentissage du permis de conduire dans les formations agricoles et professionnelles, mais aussi pour les jeunes accompagnés par les missions locales ou les jeunes en service civique. Enfin, nous souhaitons également la prise en charge totale ou partielle des transports en commun pour les jeunes ruraux quand cela n'est pas déjà fait. Voilà, nous vous avons exposé les constats, nous vous avons exposé nos principales préconisations et nous souhaitions, autour d'une thématique de la jeunesse, pour conclure cette présentation, donner la parole à deux porteuses de projets que nous avons rencontrées lors de la journée du 13 octobre dernier. Donc Mylène Osmond et Tonia Courcel, qui nous rejoignent, vont nous dire ce qu'elles retiennent de cet avis. Et voudrais aussi vous faire passer, Monsieur le Ministre, et à vous tous, mes chers collègues, un certain nombre de messages ou de préoccupations. C'est à vous. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Tonia Courcel, j'ai 19 ans, je vis et je suis scolarisée en milieu rural et moi mon principal frein c'est le transport. Effectivement j'ai 2 heures de bus pour accéder à ma formation alors qu'en voiture ça demande une demi-heure. Il y a 3 points négatifs sur ce sujet, c'est déjà ça me prend du temps donc 2 heures, ça demande un coût donc 15 euros l'aller-retour et c'est aussi beaucoup de fatigue car je me lève à 5h le matin alors que mes cours commencent à 9h15. Mais avec le transport, je suis obligée. Mais derrière ce frein, il y a un côté négatif tout de même que je tiens à préciser, c'est que ça me permet d'accéder à ma formation que je souhaite. Et ça m'a permis aussi de faire un stage en médiathèque et j'ai pu réaliser mon rêve en écrivant et en réalisant une pièce de théâtre que je vais bientôt faire. Et donc le message que je souhaite faire passer, c'est faites confiance aux jeunes. Car faites-leur confiance pour qu'ils puissent faire leurs preuves et accompagnez-les dans leurs projets, car on peut devenir acteur de notre territoire. Faites-nous confiance. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, donc, moi, c'est Mylène Osmond, 24 ans.
Donc je vis également en milieu rural depuis mon enfance et je compte bien y rester. Pour cela, donc, je suis autonome donc, depuis mes 18 ans. Mon frein a été le domaine du financier, où il a fallu faire un prêt éventuellement pour continuer mes études et donc pour me former dans une filière qui me convient aujourd'hui parfaitement, qui est un véritable épanouissement personnel, donc dans l'idée en plus de développer les territoires ruraux. Moi, mon petit message, ça aurait été de donner les moyens aux jeunes de dynamiser leur territoire, qu'ils deviennent leurs propres acteurs du territoire. Ce n'est pas de dire il n'y a rien sur mon territoire, c'est de faire bouger les choses. C'est qu'ils soient perçus aussi comme entité sociale. Il ne faut pas oublier que la jeunesse, on a des idées plein la tête. Ce qu'on demande juste, c'est qu'on nous aide, qu'on nous accompagne à réaliser ces projets. Et voilà, donc moi, ce que je vous demande, c'est juste d'aider les jeunes à dynamiser et être acteurs de leur territoire. Nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Nous voulions vous remercier. Une attention toute particulière à l'ensemble des collègues de nos deux sections qui ont été d'un apport et d'une bienveillance particulière avec nous. Donc un grand merci à vous, un grand merci aux administrateurs. Et maintenant, nous allons céder la parole à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président Bernasconi. Je vois que ce sont vos membres qui cèdent la parole aux invités. En général, c'est le rôle du Président. C'est pour vous taquiner, mais c'est pour vous montrer aussi que voilà, vous travaillez dans un esprit qui est peut-être un petit peu moins formel et pourquoi pas, et tant mieux que dans d'autres assemblées que je vais rejoindre, et notamment pour les questions d'actualité au gouvernement, dans quelques instants à l'Assemblée nationale, le Premier ministre souhaitant vraiment qu'en cette période un peu particulière, que vous imaginez bien de fin de session parlementaire et de fin de quinquennat, les ministres soient, comme on l'a dit, au banc. En tout cas, j'étais très heureux d'écouter ce très beau rapport et j'y reviendrai naturellement longuement dans mon intervention. La relève, osons la jeunesse. C'est un petit ouvrage que j'ai commis à la Fondation Jean Jaurès, tout à fait disponible en ligne, je peux vous le dire, gratuitement maintenant, je crois, donc allez-y sans difficulté. Mais c'est vrai qu'il faut savoir, sinon renverser la table, en tout cas faire bouger les lignées. Merci, Monsieur le Président du CESE, de permettre d'intervenir aujourd'hui devant vous. Je voudrais remercier la rapporteure Danielle Even, remercier le rapporteur Bertrand Colli, un des cofondateurs du Forum français de la jeunesse. Je crois qu'il faut le rappeler, en 2012, sauf erreur de ma part. Saluer les membres du Conseil économique, social et environnemental. Je reconnais beaucoup d'amis dans cette instance importante. Remercier Tonia et Mylène pour leur expression de fin d'intervention et vous dire vraiment le plaisir qui est le mien de voir finalement que cette phrase que je cite, je souhaite que la jeunesse soit perçue en tant qu'actrice à part entière du monde rural, elle doit se voir et être vue comme un élément moteur de la construction des solutions. Cette phrase, c'est dans la lettre de commande, entre guillemets, de ce rapport, commande entre guillemets, encore une fois, j'insiste, de Manuel Valls du 19 juillet 2016. Et même si, bien sûr, par définition, un rapport en assemblée plénière est toujours réducteur, on retrouve là tout le dynamisme, toute la sagacité, toute la pertinence des analyses du CESE, parce qu'il est composé effectivement de sachants, permettez-moi l'expression, et qui sont capables d'exprimer, notamment pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, la position des territoires, du territoire rural en particulier. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, c'est un plaisir que de me retrouver vraiment devant vous, parmi vous. Et c'est un honneur pour moi de vous apporter ainsi la réponse du gouvernement à l'avis que les rapporteurs viennent de nous présenter en assemblée plénière. Je tiens avant tout à remercier vos rapporteurs, Madame Even et Monsieur Colli, les féliciter pour l'excellent travail qui a été le leur dans un temps réduit, toujours trop réduit, diront certains, mais c'est l'occasion pour nous de faire avancer un minimum de dossiers. Et à travers cet avis soumis à délibération ce jour, vous nous rappelez l'importance d'améliorer les conditions de vie des jeunes
et de n'en laisser aucun à l'écart. Et le diagnostic est assez flagrant, ainsi que les deux témoignages qui ont été présentés à la fin de votre intervention. 2 ans jour pour jour après la mobilisation citoyenne du 11 janvier 2015, nous sommes le 11 janvier 2017, qui a montré au monde la force et la capacité de résilience de la société française, il est en effet plus que nécessaire, plus que jamais, de nous souvenir que la République doit pouvoir s'adresser à tous ses enfants, à tous ses territoires et les traiter également, je dirais même les traiter de manière équitable, savoir donner plus à ceux qui ont moins d'opportunités. C'est aussi ça le sens de la promesse républicaine. Les territoires ruraux ont trop souvent été oubliés, voire ignorés. C'est l'objectif du gouvernement depuis 2012 que de replacer les campagnes au cœur du projet pour la France et de permettre à chaque citoyen un égal accès aux services et finalement de voir reconnaître la ruralité comme une partie intégrante de l'ADN de la République. Après les assises de la ruralité en 2014 et les 3 comités interministériels, ce sont plus d'une centaine de mesures concrètes concernant tous les aspects de la vie quotidienne qui ont été engagés. Et je voudrais saluer l'action de mon collègue Jean-Michel Baillet, qui ne peut pas être présent parmi nous. Je salue son directeur adjoint de cabinet, parce que Jean-Michel est vraiment un acharné, permettez-moi l'expression, de la défense de la ruralité. J'y reviendrai aussi dans certaines mesures qui ont été portées par ses prédécesseurs et par lui aujourd'hui. Je pense à l'accès aux services et aux soins, à la téléphonie mobile, au numérique, au renforcement de l'attractivité économique, au développement des mobilités ou encore à la promotion de la transition énergétique. Et je voudrais ici saluer en particulier la création non pas d'un nouveau corps de l'État, mais d'une nouvelle équipe, d'une nouvelle task force de l'État, la création des référents ruralité dans chaque département, qui seront finalement l'équivalent des sous-préfets en charge de l'action de la politique de la ville. C'est une manière de conforter la présence, la structuration de l'État dans les territoires ruraux, et je ne doute pas que ces référents ruralité auront à cœur aussi de mettre en œuvre tout ou partie des préconisations de votre rapport. Parallèlement, c'est une véritable révolution des politiques publiques de jeunesse qui a été réalisée sous l'impulsion du président de la République qui, vous le savez, en a fait sa priorité. Priorité, priorité jeunesse. Ce plan, vous le connaissez d'autant mieux qu'il s'est largement inspiré, Monsieur le Président, de votre avis, que je rappelle, droit formel, droit réel, améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes, adopté le 12 juin 2012 par votre Assemblée. Si certains doutent encore de l'utilité du CESE, eh bien, pour ce qui me concerne, en tant que ministre, en cette fin de quinquennat, je puis vous dire que votre Assemblée a parfaitement joué son rôle en proposant et surtout en vérifiant que ces propositions ont pu devenir pour nombre d'entre elles une réalité politique dans notre pays, dans notre paysage législatif et réglementaire français. La philosophie qui nous a animés se rappelle en quelques messages prioritaires. Privilégier le droit commun pour tout ce qui concerne l'accès aux jeunes aux droits sociaux, pour en finir avec l'empilement des mesures dérogatoires et illisibles. Favoriser l'autonomie des jeunes et la sécurisation de leur parcours dans leur globalité. Lutter contre les inégalités et les discriminations. Encourager la participation des jeunes dans le débat public et rendre effective la co-construction des politiques publiques. Et là, j'ai mon oreille qui a tilté en vous écoutant sur le non-cumul des mandats dans le temps. Oui, après le non-cumul des mandats dans l'espace, entre un mandat de parlementaire et un mandat d'exécutif local, il faudra arriver au non-cumul des mandats dans le temps. Ça ne fera pas plaisir à tout le monde, mais c'est le seul moyen aujourd'hui de ranimer, de rénover, de revivifier la démocratie dans notre pays, en permettant notamment à de plus jeunes de pouvoir avoir accès aux responsabilités politiques. Vous le voyez, nos préoccupations respectives se rejoignent. Les préconisations contenues dans l'avis sont ambitieuses. Elles traduisent une compréhension fine des enjeux de la jeunesse dans l'espace rural. Je souhaite ici chaleureusement féliciter encore une fois les rapporteurs et les remercier pour le travail qui a été le leur et le travail de tous ceux qui ont bien voulu contribuer à cette réalisation. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, vous avez quand même tous en tête le calendrier qui est le nôtre. Je n'ai pas le pouvoir de le modifier.
L'approche d'échéances électorales importantes n'est jamais très favorable à l'annonce de grands chantiers. Et pourtant, je crois pouvoir vous dire que vos propositions suscitent l'intérêt du gouvernement. Nous sommes à la tâche et nous le serons jusqu'au dernier jour de notre mandat. Et nous entendons, c'est le message de Bernard Cazeneuve, bien continuer d'apporter des réponses aux préoccupations et aux ambitions de nos concitoyens, et quelles que soient les échéances, quelles que soient les lumières qui devront être fermées ou éventuellement réallumées, les cartons qui seront faits ou peut-être pas faits, il nous faut fixer un cap. Et ça, je crois que c'est l'honneur de la République que de fixer un cap. Après, les Français feront leur choix entre les bilans des uns et des autres, et surtout entre les projets des uns et des autres. En tout cas, laissez-moi apporter quelques réponses à vos préconisations de ce jour. Sur la compétence jeunesse territorialisée, voilà une ambition forte, partagée par de nombreux acteurs, de clarifier les rôles des collectivités en la matière. Je suis personnellement favorable à ce que les communautés de communes s'emparent des questions de jeunesse. Il est pourtant difficile d'identifier en tant que telle une compétence jeunesse tant elle a à voir avec les politiques sectorielles que sont l'éducation, l'emploi, le logement, la santé, la culture, le sport, le transport, etc. C'est pourquoi dans la loi Égalité et Citoyenneté que j'ai défendue au Parlement, qui a été votée le 22 décembre, qui est en voie d'analyse par le Conseil constitutionnel, avec une réponse de ce Conseil constitutionnel à la fin du mois de janvier, eh bien, dans cette loi Égalité et Citoyenneté, nous avons introduit une disposition qui donne à la région le rôle de chef de file des collectivités territoriales pour les politiques de jeunesse. Il ne s'agit pas de transférer une quelconque compétence nouvelle à la région, mais de lui donner les moyens d'animer et de coordonner l'intervention des collectivités locales en la matière. Chef de file ne signifie pas compétence exclusive d'une collectivité. C'est donc dans le cadre des conférences territoriales de l'action publique que pourront être débattus les sujets qui concernent les jeunes. Je crois que cette nouvelle disposition contribuera à poser aux collectivités la question de la jeunesse et de l'échelon pertinent pour la mise en œuvre des politiques de jeunesse. Je crois à la subsidiarité en l'espèce. Je ne suis pas certain que les problèmes se posent de la même manière dans toutes les communautés de communes, et en l'occurrence donc permettre une forme de souplesse, mais en actant le bon échelon que représente l'intercommunalité me paraît être la solution peut-être médiane par rapport à votre proposition. Et vous le mentionnez dans votre rapport, madame et monsieur les rapporteurs. Une expérimentation menée en ce moment et financée grâce au programme d'investissement d'avenir vise à promouvoir les projets innovants en faveur de la jeunesse. 54 millions d'euros sont dédiés à favoriser l'émergence de politiques jeunesse globales et intégrées à l'échelle d'un territoire, en incitant les acteurs à concevoir des projets structurants, ambitieux et partenariaux. Et je me souviens de mon débat, je venais d'être nommé au gouvernement avec Louis Schweitzer, commissaire général à l'investissement, qui se disait, mais en quoi les PIA peuvent être mobilisés, mobilisables pour ce type d'expérimentation? Mais je lui disais, mais si le PIA, programme d'investissement d'avenir, ne s'intéresse pas aux politiques d'intervention de la jeunesse, je ne sais pas à quoi vraiment il peut servir en tant que tel. Et donc, il en a été convaincu. Et aujourd'hui, nous avons devant nous des projets qui doivent être coordonnés, qui doivent améliorer la lisibilité des dispositifs et proposer une réponse cohérente et pertinente aux difficultés rencontrées par les jeunes du territoire concerné. Monsieur le Président, parmi les 16 projets retenus, 7 portent pour toute partie sur les territoires ruraux. Et il faudra naturellement tenir compte de l'analyse qui sera faite suite à cette expérimentation. C'est là, je crois, l'occasion de promouvoir de nouveaux modes de gouvernance des politiques de jeunesse dans le monde rural. S'il m'apparaît trop tôt à ce stade, et notamment après le vote de textes comme la loi NOTRe, d'imposer une compétence obligatoire à quelque collectivité que ce soit, au risque d'ailleurs qu'une compétence obligatoire à une collectivité deviendrait une forme d'exclusive, et provoquerait même l'exclusion ou le retrait de fait d'autres collectivités qui peuvent s'intéresser à la jeunesse, eh bien, s'il m'apparaît encore trop tôt de mettre en œuvre une telle disposition, je suis convaincu que nous allons ainsi contribuer néanmoins à faire bouger les choses au travers du PIA jeunesse. Par ailleurs, vous connaissez mon engagement pour la participation des citoyens. La loi Égalité et Citoyenneté contient des dispositions visant à développer les conseils de jeunes et à établir également le dialogue structuré que vous avez toujours appelé de vos vœux, et je m'en félicite. Deuxième sujet de préconisation, les campus ruraux de projet. Voilà une belle idée.
Je ne peux que partager l'ambition de donner aux citoyens la possibilité de développer leurs propres projets, de se mettre en réseau, de dialoguer et de construire ensemble ce que sera leur territoire. Mon ministère et celui de Jean-Michel Baylet soutiennent le projet du MRJC de fabrique du monde rural. Donc je reconnais certains aspects dans votre proposition des campus ruraux. Je serai d'ailleurs très bientôt dans l'Oise pour inaugurer une de ces fabriques. J'ai également, avec le CTINGEP, lancé en 2015 un appel à projet pour le développement des fabriques d'initiatives citoyennes. Aujourd'hui, 47 fabriques ont été repérées sur le territoire métropolitain et ultramarin. Près de la moitié d'entre elles développent des actions au milieu rural, dont 14 de manière exclusive. Je souhaite que ces expériences soient suivies et évaluées afin qu'elles puissent apporter leur enrichissement au développement des campus que vous appelez de vos voeux. L'INJEP, en charge notamment du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, est un lieu de ressources qui sera utilement mobilisé à cette fin. Je m'y engage, en tout cas je m'engage à mettre le dossier sur ses rails avant la fin de notre quinquennat. Troisième proposition, impact jeunes ruraux. Une série de mesures pour les jeunes qui rencontrent bien évidemment les sujets qui m'intéressent en premier lieu. Je vous le rappelais en introduction, mesdames et messieurs, le souci du gouvernement a été avant tout de privilégier le droit commun pour tout ce qui concerne l'accès aux droits sociaux. Je pense en effet que les jeunes ruraux seront les premiers à bénéficier des mesures récentes issues notamment de la loi Travail et de la loi Égalité et Citoyenneté. Depuis le 1er janvier, la garantie jeune est étendue à tout le territoire. Et tous les jeunes en situation de précarité, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études, peuvent y avoir accès. Les fameux NEETS que vous avez évoqués, en français les JAMO, jeunes avec moins d'opportunités, des vocables qui sont assez particuliers, qui sont parfois même, je trouve, assez insultants, mais dont acte. Peut-être qu'un jour nous trouverons d'autres formules, et là, je crois que la meilleure formule, c'est de permettre à ces centaines de milliers de jeunes, de ne pas être sur le bord du chemin parce que les collectivités n'auront pas pris leurs responsabilités. L'État a pris les siennes en créant et en développant aujourd'hui la garantie jeune pour une généralisation territoriale. Mesdames et messieurs, cette mesure de la garantie jeune est essentielle, notamment pour les territoires ruraux, où la proportion de jeunes ni en études, ni en emploi, ni en formation est plus importante qu'ailleurs. Cela a été démontré dans le diagnostic. Le Premier ministre a chargé d'ailleurs l'un de vos collègues, M. Antoine Dulin, que je salue, d'une mission de simplification en matière de politique de jeunesse, et je sais que plusieurs propositions répondront à votre souhait de faciliter l'accès à ce dispositif. Je sais, cher Antoine, que vous piaffez d'impatience pour remettre votre rapport à M. le Premier ministre. Ça viendra dans quelques semaines, en tout cas, ou dans quelques jours. Nous essayons de trouver la bonne date qui permette de valoriser au mieux ce rapport qui sera, j'en suis convaincu, de grande qualité. Pareillement, je pense que les jeunes ruraux seront parmi les premiers à mobiliser la nouvelle disposition qui permettra de financer le permis de conduire par le compte personnel de formation. Une révolution, mesdames et messieurs. Permettre de financer le permis de conduire sur le compte personnel de formation, élément du compte personnel d'activité qui sera lancé demain par le Premier ministre, eh bien, tout ceci va dans le bon sens et cela a été souligné dans le diagnostic. Les jeunes ruraux sont plus sensibles aujourd'hui au fait de ne pas avoir de permis de conduire. C'est considéré comme un handicap social qu'il faut savoir absolument traiter. Je citerai également l'obligation faite aux organismes d'assurance maladie d'informer les jeunes sur les dispositifs et programmes de prévention et de soins dont ils peuvent bénéficier, et ce, à trois reprises dans leur parcours à partir de la loi Égalité et Citoyenneté, une fois qu'elle sera promulguée, à 16 ans, lors de leur sortie du statut d'ayant droit, et puis à 23 ans. C'est très important de pouvoir permettre à des jeunes de pouvoir repérer finalement simplement leurs difficultés sur le plan sanitaire, s'il en existe. Enfin, je n'oublie pas, toujours dans ce projet de texte, la structuration du service public régional de l'orientation, le SPRO, la montée en charge du service civique, les plateformes régionales de la mobilité internationale, le programme de rénovation de l'habitat jeune, la garantie locative universelle, l'accompagnement des communes rurales pour les mises en place de projets éducatifs territoriaux, les fameux PEDT. Et cela, ce sont autant de dispositions qui vont faciliter la vie des jeunes. Et puis, je n'oublie pas, en ce jour de lancement de la championnat du monde de handball, que je suis aussi le ministre des Sports, et sachez que le développement maîtrisé des sports de nature fait partie de mes priorités, tant en ce qui concerne l'accès aux espaces
sites et itinéraires de pratique des sports de nature, que la promotion et le développement d'offres d'activités sportives de nature de qualité. Et ces sports de nature sont aussi créateurs d'emplois, d'emplois qualifiés, pérennes, non délocalisables en secteur rural, et donc des perspectives pour les jeunes. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, pour répondre aux enjeux spécifiques de l'espace rural, puisque tout ceci quand même s'intègre dans une politique globale que porte notamment Jean-Michel Bailey, laissez-moi vous rappeler qu'en ce début d'année 2017, 1000 maisons de services au public ont été ouvertes, alors qu'une centaine était en fonctionnement en 2012, que 1000 maisons de santé pluriprofessionnelles ont été créées en, contre 200 en 2012, plus de 90% des centres-bourgs recensés en zone blanche sont couverts en 2G, et tous le seront en 3G d'ici le 30 juin, notamment grâce à un soutien financier très important de l'État et porté en particulier par Axel Le Maire. 2000 projets ont été soutenus dans le monde rural à travers le Fonds de soutien à l'investissement local, créé en 2016 et doté d'1 milliard d'euros. Il a permis à de nombreuses communes de rattraper leur retard, de réaliser les travaux importants pour améliorer le cadre de vie des habitants. Ce fonds sera d'ailleurs reconduit dans le cadre de la loi de finances 2017 et sera même porté à 1 milliard 200 millions d'euros. Vous voyez, dans un monde qui porte parfois de manière involontaire, mais souvent constatée, des inégalités territoriales, eh bien, seul l'État, finalement, peut avoir la force de corriger ces inégalités territoriales. Et je le dis, aujourd'hui, ce n'est pas le moins d'État qui importe. Peut-être pas non plus le mieux d'État, mais le plus d'État dans les collectivités territoriales qui ont besoin de cette intervention forte. Et je suis particulièrement inquiet de voir que, y compris dans le cadre du grand débat démocratique qui nous attend, eh bien, certains pensent que c'est le moins d'État qui doit l'emporter en supprimant des services publics et des moyens d'intervention. Ce n'est pas la conception de ce gouvernement, ce n'est pas la conception du président de la République, et cela passe notamment par la valorisation de ces fameux contrats de ruralité. 30 ont été signés, et ils sont issus des comités interministériels à la ruralité, et ils seront les cadres qui permettront aussi d'intégrer dans vos préconisations une partie des sujets que vous avez portés au travers de ce rapport. Le travail des rapporteurs pointe un autre sujet d'inquiétude, la force des inégalités entre les femmes et les hommes dans l'espace rural. Je suis très favorable à votre proposition de renforcer la formation des acteurs de la jeunesse dans ce domaine. Je souhaite que les services déconcentrés de la jeunesse et des sports, placés sous mon autorité, puissent mobiliser les dispositifs existants à cette fin. Je pense notamment aux formations aux métiers de l'animation et du sport, mais aussi aux moyens du Fonds de développement de la vie associative, le FDVA, pour la formation des bénévoles. Je donnerai des consignes en ce sens à mes services. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, ne doutez pas de la mobilisation du gouvernement pour la jeunesse dans l'espace rural. Je souhaite que les politiques publiques continuent à les soutenir, car ils sont une richesse dans notre pays, dont notre pays ne peut se passer. Ces jeunes sont attachés à leur territoire, ils en sont fiers. Ils veulent le faire vivre, ce territoire, le développer, ce territoire. Ils veulent simplement pouvoir avoir un avenir à l'intérieur de ces territoires ruraux, alors sachons les aider. Aidons-les aussi à élargir leurs horizons, car leur ancrage local doit être la base, la fondation de leur développement, et non pas le refuge ou un lieu de repli dans lequel se construit la défiance envers le monde qui nous entoure. Et sans vouloir faire de politique politicienne, je regarde avec une attention particulière l'évolution du vote des jeunes en direction de formations populistes, et notamment en secteur rural. Et que donc, pour moi, c'est un vote de désespoir, un vote de repli. Et il nous faut intégrer cela dans notre intervention publique. S'il n'y a pas d'espoir, eh bien, c'est le populisme, pour ne pas dire la radicalisation, qui existe aussi en secteur rural, qui pourrait demain l'emporter, et ça, je ne le veux pas. Connectons la jeunesse rurale au monde. Donnons-lui toute la place qui est la sienne dans notre République. Et vous l'aurez compris, Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs, les membres du CESE, c'est le combat que je mène pour toute la jeunesse de ce pays, que je mène donc pour la jeunesse de la France rurale. J'étais ici il y a quelques semaines, Monsieur le Président, le 28 octobre, pour célébrer avec vous les 70 ans de l'inscription de votre Conseil dans la Constitution. Laissez-moi vous rappeler cette belle phrase dite par le Président de la République. Le CESE peut contribuer à porter la réflexion,
aller au-delà des mandats politiques, aller au plus loin de ce que la décision publique peut faire et qui va concerner des générations, celles qui nous suivront, engager des politiques qui dépasseront même celles et ceux qui les ont portées. C'était l'idée originale et cela reste l'idée la plus moderne. Faire en sorte que nous puissions, à travers vous et ce que vous représentez, être capables de dessiner ce que sera la France de demain et d'après-demain, ce qu'elle doit écarter, ce qu'elle doit porter, ce qu'elle doit concentrer comme effort pour être davantage elle-même, pour qu'elle puisse relever les défis qui sont face à elle. Cette phrase du président de la République, je crois, a encore toute son actualité. La vie que vous allez maintenant commenter, que vous allez maintenant débattre, propose une vision d'avenir pour la jeunesse et plus largement pour la France, finalement. Je forme le vœu que les idées qu'il contient puissent prospérer, quelles que soient les échéances, dans les politiques publiques qui seront mises en œuvre dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, j'aurais été fier, en encourageant la création de ce rapport, en encourageant la commande, entre guillemets, la proposition de rapport portée par le Premier ministre Manuel Valls à l'époque. Mais je suis fier de pouvoir compter sur votre mobilisation et finalement de rapprocher encore plus le CESE de l'exécutif, de sa compétence, de sa responsabilité. Tout cela pour un seul souci, la recherche permanente de l'intérêt général et sa satisfaction. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie le ministre Patrick Kanner. Si vous me permettez un mot, je tiens à vous remercier pour vos propos, bien sûr, très chaleureux, mais parce que vous symbolisez ce que doit être pour moi l'action de chaque ministre, c'est-à-dire avoir une relation très privilégiée avec cette Assemblée, une Assemblée qui cherche à avoir les meilleures préconisations, en tout cas les préconisations qui sont celles de la société civile et qui doivent aider le législateur et les membres du gouvernement. Vous symbolisez par votre action et la reprise des nombreuses préconisations que vous faites à travers votre action, tout ce que l'on peut attendre, nous, de ceux qui ont la responsabilité de gouverner ce pays. Je vous en remercie. Et je vous remercie, bien sûr, de vos propos très chaleureux à nos égards. En tout cas, merci. Et chaque conseiller, je suis sûr, y est très sensible. Mais encore merci à vous. Je crois qu'on peut de nouveau l'applaudir. Je vais appeler à la tribune Monsieur Alain Ferretti, du groupe de l'UNAF. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, parmi les figures oubliées par les politiques publiques et les médias, celle des jeunes vivant en milieu rural arrive probablement en premier. Pourtant, cette jeunesse rurale mérite une attention particulière dans la mesure où elle connaît des problématiques propres. Le projet d'avis contribue à sortir de cet état de fait. Le travail mené en collaboration des deux sections aboutit à des préconisations opérationnelles s'appuyant sur un état des lieux précis. Rapports et projets d'avis se sont construits dans des délais contraints et se sont heurtés à la faiblesse des données spécifiques aux jeunes ruraux, par ailleurs variables en fonction des territoires. Au rang des préconisations prioritaires à nos yeux, le groupe de l'UNAF en retient particulièrement quatre. Rendre obligatoire une compétence jeunesse au sein des communautés de communes correspond au niveau de proximité pertinent pour tenir compte des spécificités des milieux ruraux tout en permettant d'apporter des réponses suffisamment globales aux besoins des jeunes de ces territoires. La question de la mobilité est primordiale. Faute de transports collectifs suffisants pour relier les territoires en milieu rural, l'accès à la mobilité est bien souvent une condition nécessaire pour trouver un travail, un stage, ou même se déplacer sur son territoire. Le groupe de l'UNAF retient avec intérêt la préconisation de développer l'apprentissage du permis de conduire à un moindre coût pour les familles dans le cadre de la formation initiale ou dans les missions locales. Le financement du permis de conduire peut aussi prendre la forme d'un juste retour de l'État,
pour les jeunes impliqués dans un service civique. Les missions locales sont bien identifiées pour les jeunes comme un lieu ressource pour les accompagner dans l'insertion sociale et professionnelle. La limite d'âge pour y avoir recours fixée à 25 ans tombe comme un couperet, annulant tout le bénéfice d'une démarche engagée, mais non encore aboutie à l'âge fatidique. Le groupe de l'UNAF soutient la préconisation d'allonger à 29 ans la possibilité d'être accompagné par les missions locales, qui doivent aussi être confortées en tant qu'acteurs du développement local. Enfin, le groupe de l'UNAF rappelle la possibilité retenue dans certains départements d'intégrer un volet jeunesse distinct de la petite enfance dans la mise en œuvre des schémas départementaux des services aux familles. La généralisation de cette possibilité doit être encouragée. Néanmoins, le groupe de l'UNAF estime que l'affirmation de l'existence d'inégalités très marquées entre femmes et hommes dans les zones rurales n'est pas suffisamment démontrée. Il regrette également que la mention des droits sexuels et reproductifs ait été introduite sans lien établi avec le sujet du projet d'avis. Malgré ces réserves, le groupe de l'UNAF vous remercie pour tout ce travail, Madame et Monsieur les rapporteurs, et votera le projet d'avis. Merci. Merci. Monsieur Christian Chevalier du groupe de l'UNSA. Monsieur le Président, chers rapporteurs, mesdames et messieurs les conseillers, cette saisine gouvernementale aura eu le mérite de nous mettre en quête des contours de cette jeunesse des campagnes, invisible, souvent oubliée car clairsemée, plus discrète et moins turbulente que celle qui vit dans les territoires plus urbanisés. Oubliée en effet à tel point que l'on aura pu constater l'indigence des outils statistiques permettant de l'appréhender pour mieux la comprendre. Ceci étant, le travail conduit par les deux sections à travers les auditions et un travail de recherche appuyé aura permis d'en dresser le portrait avec suffisamment de netteté pour éviter le piège de la caricature. Car si cette jeunesse rurale n'est pas homogène, elle présente cependant des caractéristiques qui la distinguent de l'ensemble de la jeunesse de notre pays. Ainsi, ce sont des parcours scolaires trop marqués par des autocensures en matière d'ambition et d'orientation et des études plus courtes qu'ailleurs, alors même que les taux de réussite sont meilleurs au collège que dans le reste de l'Hexagone. Ce sont aussi des distances qui impactent largement leur mobilité et donc leur choix de formation, leur recherche d'emploi, leur accès à la culture, aux loisirs ou encore aux soins, par exemple. Ce sont aussi les questions de citoyenneté, d'implication associative qui sont posées, tout comme celles, et c'est important, de l'égalité filles-garçons. Cet avis montre combien la jeunesse qui vit dans ces territoires est confrontée à des problématiques spécifiques. Elle nécessite en conséquence une attention toute particulière, ainsi que la mise en place de dispositifs permettant de compenser les manques ou les faiblesses liées à l'isolement, liées aux distances ou aux représentations qu'elles imposent aux jeunes comme à leurs familles. Il y a en effet pour l'UNSA nécessité de traiter ces territoires pour que les jeunes qui y vivent et qui, comme le rapport le montre, y sont très attachés, puissent y construire leur avenir sans se sentir exclus ou tenus à l'écart d'un monde en mouvement. À se percevoir oublié des politiques publiques, on voit combien le monde rural, plus qu'ailleurs, succombe aujourd'hui au vote extrémiste. Pour l'UNSA, les propositions faites au gouvernement se veulent réalistes et pragmatiques. Ainsi, celles qui consistent à rendre obligatoire la compétence jeunesse au sein des communautés de communes est un véritable levier car elle permettra de rendre lisible et cohérente une politique territoriale publique de jeunesse sur la base de projets jeunesse de territoire favorisant leur implication et donc leur responsabilité citoyenne à la fois au sein du monde associatif mais aussi dans un cadre beaucoup plus institutionnel. De même, la proposition de labelliser les structures dirigées par des jeunes, notamment au sein des campus ruraux de projets, peut renforcer cette prise d'initiative. Au-delà, la question de la mobilité reste majeure. Elle est, si je puis dire, le moteur de l'activité sociale et économique. L'UNSA soutient donc la nécessité du renforcement et du développement des dispositifs variés qui sont proposés, tels que l'aide financière pour passer le permis de conduire, mais aussi des moyens moins classiques, comme le développement du covoiturage ou de l'autopartage. Vous l'aurez compris, l'UNSA soutiendra ce projet d'avis.
Pour conclure, je voudrais saluer ici la qualité du travail conduit par les deux rapporteurs, Bertrand et Daniel, qui, sur un sujet complexe et multiforme, ont été, au fil des réunions communes des deux sections, très réceptifs pour affiner les analyses et peaufiner leurs propositions. Merci. Merci. Madame Christine Valentin, du groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, avec cet avis, le CESE se préoccupe de la place des jeunes des milieux ruraux. Vous proposez différents outils pour les aider à habiter et à investir leur territoire. Le groupe de l'agriculture est tout à fait favorable à toutes les initiatives qui permettront de renforcer l'attractivité du monde rural. En particulier, rendre obligatoire la compétence jeunesse dans les communautés de communes peut certainement constituer un levier intéressant pour un projet de territoire. À partir de là, pourra se mettre en place une véritable politique jeunesse avec la mise en œuvre d'outils concrets adaptés aux spécificités de chaque territoire. Création de logements pour les apprentis, cartes de transport à prix réduit ou encore renforcement de l'offre de formation. Tous ces sujets sont abordés dans le rapport et dans l'avis et nous ont amenés à penser que certains d'entre eux mériteraient d'être approfondis par notre Assemblée. Ils pourraient même faire l'objet de travaux plus précis. Je pense en particulier aux questions que posent aujourd'hui les dispositifs de l'orientation des jeunes, mais aussi aux spécificités de l'enseignement agricole. Au-delà de ce que propose cet avis pour dynamiser les territoires ruraux et les rendre plus faciles à vivre, le groupe de l'agriculture veut absolument rappeler que l'activité économique est un facteur essentiel de l'attractivité. Il faut que les jeunes puissent trouver un travail sur ces territoires et qu'ils puissent en vivre. À cet égard, l'activité agricole est particulièrement structurante. Lorsque plusieurs exploitations sont installées, elles entraînent avec elles d'autres activités. Transport d'animaux, transformation de produits, distribution et commercialisation, et tant d'autres encore. Je veux rappeler qu'un agriculteur installé, c'est 5 emplois créés. Pour nous, le soutien à l'installation des jeunes agriculteurs est essentiel pour l'emploi dans les territoires ruraux, mais aussi pour la vie quotidienne. Les jeunes agriculteurs amènent de nouveaux élèves dans les écoles et aussi de nombreux joueurs dans les clubs sportifs. Pour rendre les projets d'installation viables et pérennes, il faut absolument accompagner les jeunes, mettre en place des formations plus spécifiques, faciliter les transmissions, simplifier les démarches administratives, mais aussi faciliter le travail, notamment par l'agriculture de groupe, et aussi expliquer de manière plus positive en quoi consiste l'activité de la profession d'un agriculteur. Cet accompagnement dans l'installation, c'est aussi un moyen de créer des liens avec tous les jeunes du milieu rural. Dynamiser l'économie et favoriser un cadre de vie agréable sont les deux ingrédients qui amèneront les jeunes à rester sur leur territoire ou à en investir de nouveau. Le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de cet avis. Merci. Madame Christine Savé, du groupe de l'artisanat. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues, savoir maintenir ou attirer les jeunes est un facteur clé de la vitalité économique et sociale des territoires ruraux. Il est donc fondamental que ces territoires sachent pleinement capitaliser sur cette ressource que représente la jeunesse. Comme le rappelle l'avis, bien souvent, les politiques publiques locales font l'impasse sur les 16-29 ans. Or, permettre aux jeunes de s'installer durablement sur un territoire suppose d'intégrer un volet jeunesse au sein de ces politiques, conduites au niveau des bassins de vie. De même, offrir de vraies opportunités de formation et d'insertion professionnelle est pour le groupe de l'artisanat un élément fondamental, tant pour les jeunes ruraux que pour le dynamisme rural. Cela implique notamment de lever le frein de la mobilité. Encourager ou faciliter la mobilité suppose de poursuivre des politiques publiques volontaristes, mais aussi de construire des réponses innovantes en s'appuyant sur les acteurs économiques et sociaux du territoire. Ainsi, le rapport qui accompagne l'avis a pu montrer qu'il existait une diversité d'initiatives locales.
À titre d'exemple, l'expérimentation parcours territorialisé d'apprentissage menée dans les régions Centre et Pays de la Loire a permis d'apporter une solution de formation de proximité et de limiter les problèmes de déplacement de jeunes en première année de formation professionnelle. La réussite de ce projet s'est appuyée sur une mobilisation collective et partenariale autour d'acteurs locaux. De telles initiatives existent également dans certains territoires sur la question du logement des apprentis ou de jeunes salariés. Toutes ces démarches présentent l'avantage d'apporter des solutions concrètes et efficaces. Il est donc essentiel de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de rendre plus visible, d'inciter et de démultiplier de telles initiatives. De plus, pour garantir aux jeunes des débouchés professionnels dans les territoires ruraux, il convient de poursuivre des politiques visant à favoriser le maintien et le développement d'un tissu économique local. Cela implique également de les encourager à créer ou à reprendre une entreprise et donc de leur rendre facilement accessibles les dispositifs d'appui, de financement et de formation pour concrétiser leurs projets. Prévoir un lieu unique permettant à la fois de fédérer les acteurs économiques et sociaux du territoire, mais aussi de regrouper toutes les informations susceptibles d'accompagner les jeunes dans leurs projets, permettrait donc à la fois de développer des synergies et d'y associer les jeunes autour du dynamisme des territoires ruraux. Le groupe de l'artisanat approuve l'approche retenue par l'AVI de s'appuyer sur toutes les énergies des territoires ruraux pour faire de la jeunesse un véritable atout de leur développement et de leur avenir. Nous voterons l'AVI. Merci. Monsieur Yann Lanier, du groupe des associations. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Présidents de section, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues. La France est belle, la France est grande, et c'est sa diversité, sa pluralité qui font sa grandeur. Pour autant, jamais le fossé entre deux France, celle des métropoles et celle de la ruralité, n'aura été aussi grand. À l'approche d'échéances électorales majeures, c'est bien à notre modèle global que nous devons consacrer notre réflexion. Cet avis démontre que la jeunesse rurale peut être une contributrice au cœur des solutions d'avenir. Nous souhaitons ici tout d'abord remercier nos deux rapporteurs, Daniel et Bertrand, pour leur écoute et leur volonté de construire des préconisations partagées, ainsi que nos deux présidents de section qui ont permis de faire vivre ces débats. L'égalité territoriale doit être reconquise pour ce qui concerne les territoires ruraux. Il en va de notre cohésion nationale et de l'harmonie de notre corps social. Le modèle des nouvelles métropoles ne saurait être un alpha et un oméga. Le dynamisme des territoires ruraux est consubstantiel d'une volonté affirmée de marcher sur ses deux jambes et d'offrir aux citoyens, quelle que soit sa localisation sur le territoire, une chance et un traitement égalitaire. 80% de notre territoire s'inscrit dans la ruralité. 40% de la population y réside, et si les jeunes y sont présents jusqu'à l'âge des choix, l'érosion se construit ensuite enclenchant toute une série de problématiques. Il faut donc sortir d'une vision urbano-centrée, de préjugés parfois considérables, voire d'une condescendance plus ou moins affichée. La pauvreté de l'appareil statistique auquel nous avons été confrontés est assez révélatrice de ces travers. Notre groupe soutient sans réserve les principales préconisations de cet avis et souhaite insister sur l'efficience attendue entre ces dernières au regard des faibles moyens qu'elles mobilisent potentiellement. La prise en compte d'une compétence jeunesse obligatoire par les communautés de communes permettra une meilleure coordination des moyens et l'émergence d'un projet jeunesse de territoire fondé sur un diagnostic partagé et participatif. L'implication des jeunes dans la vie locale par une volonté assumée de lutter contre le cumul des mandats dans le temps, au moyen, comme évoqué, de la bonification de certaines dotations de l'État, quand la représentation locale inclut une part significative de moins de 30 ans, est une étape indispensable pour que le flambeau des générations puisse se transmettre sans courir le risque que la flamme s'éteigne. La création de campus ruraux de projet, partant de l'existant sur le territoire et revendiquant une approche plurielle et participative, permettront de lutter contre les dispositifs en silo, consommateurs de moyens à l'efficacité souvent médiocre. Enfin, donner aux missions locales la possibilité d'accueillir jusqu'à 29 ans les jeunes des territoires, c'est être en phase avec les problématiques rencontrées et faire de ces dernières un rouage important de l'action jeunesse en milieu rural. Mais ce sont tous les acteurs d'un territoire, au premier rang desquels les jeunes eux-mêmes, qui doivent être mis en mouvement. Pas de mouvement sans mobilité, sans la conscience de sa place dans l'Europe et dans le monde. Plus qu'ailleurs, ces possibilités de mobilité doivent être au cœur des politiques menées. Pour les jeunes ruraux, le champ des possibles doit ainsi s'élargir, et comme aimait à le dire Léo Lagrange,
Aux jeunes, il ne faut pas tracer un seul chemin, il faut leur ouvrir toutes les routes. Les associations agissant sur ces territoires ont un rôle fondamental à jouer dans ce défi, qu'il s'agisse de culture, de sport, d'insertion sociale et professionnelle. Elles doivent être soutenues pour ce qu'elles sont, pour être en situation d'agir au service des jeunes et de l'espace rural. Les jeunes des territoires ruraux sont un atout pour la France. Le message de la nation à leur endroit doit être fort. L'innovation doit être dans les dispositifs, mais surtout dans une nouvelle manière de conduire l'action publique avec une volonté réelle de co-construction. Notre groupe remercie l'ensemble de celles et ceux qui ont pris une part active à ces travaux et votera cet avis. Merci. Madame Marie-Odile Hesch, du groupe de la CFDT. Monsieur le Président, chers collègues, dans une configuration de travail originale, mais qui a rapidement trouvé ses marques, les co-rapporteurs sont parvenus à surmonter les obstacles de cette saisine gouvernementale. Il n'y a en effet pas une jeunesse rurale, mais des jeunes en situation très diverse, dans des territoires ruraux eux-mêmes très différents, et qui sont confrontés, en plus des difficultés liées à la conquête de leur émancipation, à l'éloignement des espaces économiques, sociaux et culturels. Paradoxalement, l'absence de sources et statistiques aura permis une forme d'expertise basée sur le croisement des regards. Elle a notamment mis en évidence les inégalités dont sont victimes les jeunes femmes dans les territoires ruraux où le taux de jeunes ni en emploi ni en formation. La CFDT approuve les propositions dans leur ensemble. Elle considère que les évolutions structurelles préconisées, comme la compétence territorialisée, les campus ruraux de projet ou le pacte jeunes ruraux, auront besoin de l'engagement de tous les acteurs de la société civile pour être portée et mise en œuvre. Et c'est bien l'implication des jeunes dans cette société civile qui sera déterminante de sa réussite. La saisine gouvernementale exprimait le souhait de voir la jeunesse comme un élément moteur de la construction des solutions. Les préconisations apportent sur ce point des réponses en proposant notamment, à travers les campus ruraux de projets, que les jeunes contribuent à la vitalité des territoires. Le renforcement des missions locales, la garantie jeune, inscrite dans la loi travail, doivent contribuer à soutenir une approche globale de chaque jeune en articulation avec les autres acteurs. Certaines préconisations concernant l'égalité hommes-femmes, l'accès à la formation ou l'accès au logement mériteraient de dépasser le cadre de la ruralité et d'être étendues aux espaces urbanisés, car ces mesures à mettre en œuvre bénéficieraient à tous les jeunes. L'engagement citoyen passe notamment pour les jeunes aussi par l'adhésion syndicale. La CFDT est donc particulièrement attentive à toute participation des jeunes à la vie économique, syndicale, sociale et politique, déterminante pour développer l'attractivité des territoires ruraux. La CFDT votera cet avis. Merci. Madame Carole Couvert du groupe CFE-CGC. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, le groupe de la CFE-CGC tient à féliciter les deux rapporteurs, la section et les services du CESE pour ce travail. Effectivement, la jeunesse en milieu rural constitue aujourd'hui une formidable ressource et une formidable richesse qui est parfois sous-estimée. Elle est confrontée à des difficultés croissantes d'accès à l'emploi comme à la formation. Et la Cour des comptes, dans son dernier rapport d'octobre dernier, a mis en exergue l'échelon régional comme lieu primordial de coordination à la fois des différents acteurs, des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi. C'est pour ça que notre groupe soutient particulièrement deux propositions dans cet avis. La première, c'est celle des créations de campus ruraux de projet dans chaque bassin de vie, puisqu'en fait, l'idée, au travers des organisations syndicales que nous sommes, via nos unions régionales, via nos délégués syndicaux, ça serait de venir en soutien, d'être partie prenante de ces campus, afin de mettre en place des actions à la fois de soutien, d'aide, d'information, de découverte du monde de l'entreprise, mais aussi des fonctions publiques. Le groupe de la CFE-CGC soutient une deuxième proposition qui est celle de permettre aux missions locales d'accompagner les jeunes jusqu'à 29 ans. Bien entendu, cet accompagnement devra être doublé d'un renforcement de la formation initiale comme de la formation professionnelle.
Il est effectivement essentiel pour nous que ces jeunes dans les territoires ruraux aient un accès équivalent à la formation professionnelle, à l'apprentissage, aux diversités des filières, et ce depuis le secondaire, afin de garantir la mixité des parcours professionnels. Nous constatons de nos jours que les offres, que ce soit en études supérieures, que ce soit pour l'emploi, pour les logements, y compris logements locatifs, sont essentiellement urbaines. Il est donc anormal, in fine, que le risque d'échec scolaire soit de nature différente entre des jeunes en territoire urbain ou des jeunes en territoire rural. Il est donc fondamental de débloquer des financements pour arriver à revitaliser nos territoires afin de maintenir et de développer l'emploi des jeunes dans les territoires ruraux. Alors, vous l'aurez compris aisément, pour nous, il ne s'agit pas de donner quelques cacahuètes aux jeunes dans les territoires ruraux. Nous sommes tous ici acteurs sociaux, acteurs économiques, acteurs environnementaux qui formons les trois piliers du CESE. Nous sommes tous responsables de l'avenir de cette jeunesse. Il s'agit bien de lui donner un gage pour qu'elle puisse avoir un retour afin que l'optimisme économique et social puisse revenir, y compris dans nos territoires ruraux, puisque cette jeunesse est une très belle opportunité. Je crois que les deux témoignages que nous avons eus tout à l'heure de Tonia Courcelles et de Mylène Osmond l'ont très bien démontré. Vous nous avez donné un message porteur d'espoir, de sens et d'avenir, donc bravo pour ce que vous avez fait. Et vous l'aurez compris aisément, le groupe CFE-CGC votera cet avis. Merci. Laurence Roger, du groupe de la CFTC. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Présidents de section, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, Messieurs les conseillers. Les jeunes ruraux ont une capacité à trouver du travail plus conséquente que les jeunes urbains lorsqu'ils ont fait des études courtes ou sont issus de l'apprentissage. A contrario, ceux qui ont fait des études longues sont plus touchés par le chômage, ne pouvant trouver un travail correspondant à leur formation. Le taux de chômage est important pour les jeunes qui sont sans activité professionnelle ou sortis du monde scolaire. Ces problèmes d'accès au monde du travail sont accentués par une mobilité difficile du fait d'une organisation insuffisante, voire déficiente, des transports collectifs et par conséquent, une obligation d'avoir son propre moyen de déplacement, ce qui entraîne un coût supplémentaire par rapport aux jeunes urbains. Pour maintenir les jeunes ruraux sur leur territoire d'origine ou rendre appétant le monde rural, il y a nécessité d'une prise de conscience sérieuse par les élus et les politiques menées afin d'assurer un traitement équitable entre territoires ruraux et urbains. Il est lassant pour les citoyens ruraux de s'entendre répondre « on ne vous oublie pas » sans pour autant que concrètement ils bénéficient des effets de décisions prises. Certaines d'entre elles sont tellement différées dans leur application qu'elles pourraient être inexistantes. Le cas de la couverture numérique en est un des exemples. L'accès aux soins, l'accueil de la petite enfance, l'accès à la culture sont des éléments nécessaires et décisifs pour des jeunes qui souhaitent quitter le monde urbain et s'installer sur un territoire rural. L'accessibilité à un logement ou son acquisition sont peut-être plus faciles qu'en ville. Le passage aux communautés de communes a eu pour conséquence une hausse des taxes d'habitation sans pour autant que les habitants des zones rurales bénéficient des mêmes infrastructures ou des mêmes avantages que les urbains. La CFTC appuie la préconisation qui rend obligatoire une compétence jeunesse au sein des communautés de communes, indépendamment du fait que cette formulation nous interpelle. Intégrer les jeunes dans le processus de décision territoriale aura pour effet de les sensibiliser à la vie locale et les rendre acteurs. Le renouvellement des mandats des élus par sa limitation dans la durée est une mesure raisonnable et de bon sens. La mise en place de campus ruraux de projet préconisés par la vie serait un autre moyen efficace pour amener les jeunes à participer activement à des projets de développement territorial et serait source d'emploi. L'accès à la diversité de filières de formation est une préconisation importante pour la CFTC. Les jeunes sont contraints dans leur orientation. Leurs choix sont plus pragmatiques au regard de la qualité, de la réalité de leur territoire. À résultats scolaires identiques, le taux de demande et d'accès des élèves ruraux en seconde générale est plus faible. La voie professionnelle rencontre davantage de succès et les études supérieures, souvent courtes,
ne s'envisage pas sans mobilité. Favoriser la formation à distance ainsi que faciliter l'accès aux internats permettrait d'éviter l'autocensure de ces jeunes par des formations inexistantes sur leur territoire. Vous le comprendrez, la CFTC approuve et vote l'avis. Merci. Monsieur Gilles Fournel du groupe de la CGT. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous tenons d'abord à féliciter les rapporteurs pour leur présentation dynamique et innovante. Nous voulons saluer leur travail et celui des administrateurs. Ils nous ont permis de travailler convenablement, malgré la difficulté du sujet et l'élaboration complexe du rapport en amont. Le projet d'avis dresse assez bien les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Selon nous, le principal enjeu d'une politique jeunesse, a fortiori en milieu rural, est de favoriser l'émancipation des jeunes par la combinaison de facteurs multiples, éducation, orientation, formation, emploi, ressources, logement, santé, citoyenneté, culture, loisirs, mobilité. Cela exige de mettre en place une politique jeunesse globale et implique un engagement de l'État s'appuyant sur des synergies et des actions en territoire. À ce titre, la place des services publics et les moyens qui leur sont alloués sont essentiels. Or, les dernières réformes et les politiques d'austérité, en réduisant leurs moyens, mettent en danger leur pouvoir d'intervention. La mise en concurrence des territoires met à mal le principe d'égalité de traitement des salariés, des citoyens, des jeunes, et renforce les inégalités sociales, territoriales, mais aussi générationnelles. Le projet d'avis met l'accent sur ces inquiétudes et avance des propositions concrètes qui pourraient permettre de surmonter les difficultés actuelles en abordant la question de la diversité de la jeunesse dans une perspective d'investissement collectif pour l'avenir, en inscrivant dans une plus grande cohésion sociale la succession des générations en zone rurale. Le projet d'avis note également l'importance des institutions dans l'insertion de la jeunesse dans la vie sociale. Il met en évidence les relations complexes et problématiques que les jeunes rencontrent avec les institutions. Nombre d'entre elles ont été mises en place à une autre étape du développement de notre société et font face à de nouveaux défis et ont des difficultés de moyens et de fonctionnement démocratique. Car la jeunesse n'est pas un problème, mais une chance. Donc face à cette situation, il faut que les politiques publiques de la jeunesse se construisent autour de principes de réalité, gages de leur crédibilité. C'est en ce sens que nous proposons de faire un bilan de nombreux dispositifs mis en place ces dernières années. Il faut que les conditions de la prise d'indépendance et de responsabilité des jeunes s'appuient sur trois piliers: l'éducation, la formation professionnelle tout au long de la vie, l'accès à un travail de qualité. À partir d'un tel socle dédié aux jeunes d'aujourd'hui, les générations de demain devront pouvoir construire un projet de vie émancipateur que seul le progrès social peut permettre et bâtir, où qu'elle se trouve, à la campagne, en ville ou en périphérie. Une vie qui ne soit pas seulement collée à la conjoncture, l'œil vissé sur la norme ou les impératifs économiques imposés. Cet avis sur la jeunesse en milieu rural, à sa mesure, participe à construire cette ambition. Nous le voterons donc. Merci. Monsieur Yves Cotelat, du groupe CGT FO. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Tout d'abord, le groupe Force ouvrière souhaite remercier et féliciter les présidents des deux sections concernées par ce projet, les deux rapporteurs et l'ensemble des membres qui ont participé activement à ce travail de qualité. Sans le dire de manière directe, ce projet d'avis montre à quel point les jeunes en milieu rural sont frappés d'invisibilité. Invisibilité statique, sociale, statistique, pardon, sociale, économique, culturelle, etc. Ils subissent de plein fouet les conséquences des politiques publiques qui privilégient l'organisation des ressources et leur regroupement pour faire des économies d'échelle aux dépens du bien-être des citoyens, où qu'ils soient. D'ailleurs, le rapport de France Stratégie sur les dynamiques et inégalités territoriales suggère clairement de concentrer les moyens de l'État dans la métropolisation pour en faire le moteur des dynamiques territoriales au détriment d'une réelle politique d'aménagement du territoire.
Ce mouvement est initié depuis 2014 par les lois MAPTAM et NOTRe, et de plus en plus, le territoire est maillé autour d'une centralité métropolisée à dominante urbaine et suburbaine qui concentre l'essentiel de l'activité économique et des richesses et une périphérie rurale délaissée et abandonnée à l'écart de tout. Les villages et les bourgs se vident, les commerces ferment en cascade, les services publics se réduisent, les emplois se raréfient, l'activité économique se délocalise. Certes, la population des zones rurales augmente plus que celle des villes, mais au moment où le calme des villages peut attirer les retraités, les jeunes ruraux doivent plier bagages pour continuer leurs études, trouver un emploi et faire leur vie en ville. Des problèmes majeurs se posent donc, et ça a été souligné de manière excellente dans le rapport, pour les jeunes qui choisissent de rester en milieu rural. La mobilité rendue obligatoire par l'insuffisance des moyens destinés à l'offre de formation de proximité entraîne des difficultés tant sociales que financières du fait des contraintes de disposer d'un véhicule et d'un logement. Le constat fait dans le rapport de l'accès à l'emploi, à la formation, prouve les difficultés de ces jeunes ruraux en comparaison avec les jeunes citadins, notamment pour les jeunes femmes qui représentent 61% des demandeurs d'emploi en milieu rural. La politique de dévitalisation rurale, au travers de l'insuffisance, voire la disparition des services de proximité, des services publics, des entreprises, accroît ces difficultés. Les différentes réformes territoriales, réformes de la santé, ne sont-elles pas un élément supplémentaire à cette désertification ? L'accès à la culture, à la communication, nécessite que l'on donne aux acteurs de terrain, associations, collectivités, les moyens nécessaires à assumer leur mission dans les territoires ruraux, ce qui ne nous semble pas la direction suivie aujourd'hui, car les diminutions de dotations globales de fonctionnement aux collectivités entraînent souvent une remise en cause des subventions allouées par les collectivités aux associations et structures locales, dans les domaines en particulier de la culture et du sport, alors qu'elles font un travail conséquent, indispensable, pour faire vivre la cohésion sociale dans ces territoires. Il faut donner aux jeunes ruraux, pour l'avenir des territoires, toute la place qu'ils méritent dans toutes les instances de décision locale. Nous espérons que ce projet d'avis servira à minima de déclencheur d'une prise de conscience collective des difficultés spécifiques que rencontrent les jeunes en milieu rural et que l'action publique veillera plus au respect du principe républicain d'égalité entre les citoyens où qu'ils soient qu'à celui de faire passer à tout prix le déficit public sous la barre des 3%. Le groupe Force ouvrière votera en faveur de ce projet d'avis et nous espérons que ces excellentes préconisations seront suivies des faits par nos gouvernants. Il n'y a pas de France, celle des métropoles et celle des zones rurales et périurbaines. Je vous remercie. Merci. Madame Isabelle Roudil, du groupe de la coopération. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les rapporteurs, Madame et Monsieur le rapporteur, oui, je ne sais pas comment je dis, enfin, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues, lutter contre la marginalisation des territoires fragiles ou excentrés constitue une priorité pour l'avenir de notre pays. Le CESE l'avait fortement souligné dans son rapport annuel en 2015 et nous avions noté combien la montée de la pauvreté dans certaines zones rurales était inquiétante et qu'elle générait un sentiment de déclassement et de relégation qui n'est pas sans répercussion politique. Cet enjeu concerne tout particulièrement les jeunes générations. Mais si ces difficultés sont réelles, la jeunesse rurale n'en représente pas moins une très grande diversité de situations, à l'image de la diversité des territoires ruraux. Elle constitue ainsi, cette jeunesse, un vivier essentiel pour l'attractivité et l'avenir de ces territoires. Si les jeunes ruraux sont moins diplômés que les jeunes urbains, ils entrent plutôt dans la vie active et sont globalement moins touchés par le chômage. Au-delà de cette diversité, ces jeunes présentent certaines particularités vis-à-vis des jeunes des territoires urbains, notamment en matière de formation, d'accès à l'emploi et au logement. Ce constat justifie une approche globale, comme nous l'avons vu dans l'avis, comme nous le présentons dans l'avis, via un pacte jeunes ruraux au niveau national, qui serait décliné dans les territoires, comme nous l'avons préconisé. Il s'agit notamment de répondre à l'insuffisante coordination des politiques publiques.
Le groupe de la coopération partage l'objectif de favoriser, via ce pacte, un meilleur accès à la formation, à la mobilité, à la santé et au logement. En effet, la question de l'accessibilité physique et numérique nous paraît essentielle pour les jeunes générations, mais aussi pour les plus âgés. Et le projet La Vie a bien souligné une question qui nous tient à cœur, c'est-à-dire les inégalités entre les femmes et les hommes. Nous avons eu plusieurs témoignages en ce sens et nous avons vu qu'en matière d'emploi, des jeunes femmes et notamment des jeunes mères sont confrontées à un marché du travail limité, à la faiblesse des services pour la petite enfance, à des distances trop importantes entre le domicile et le travail et du coup à la dépendance forte de la possession d'un véhicule. C'est pourquoi l'AVI préconise que les territoires territoriaux intègrent des études genrées pour pouvoir mieux répondre à ces difficultés. Le soutien aux jeunes en zone rurale passe par le soutien au développement économique. Vous savez que la coopération, pour le groupe de la coopération, c'est très important. Et l'emploi reste la clé de l'intégration, pour autant que les progrès humains soient mis au cœur de l'acte d'entreprendre, comme le portent les entreprises de l'ESS. C'est pourquoi nous soutenons la proposition de campus ruraux de projet. Notre jeunesse, je vois que mon temps, que je prends trop de temps, donc je vais passer un peu ce que je voulais dire, et je vais directement conclure. Bon, vous le savez, le groupe de les coopératives en général sont toujours très disponibles pour accueillir des jeunes, et notre jeunesse est riche de talents pour entreprendre, construire les territoires ruraux d'aujourd'hui et de demain, et relever les défis auxquels le pays doit faire face. Et c'est pourquoi, après avoir remercié Daniel et Bertrand, le groupe de la coopération vous dit qu'avec plaisir, il votera en faveur de la vie. Merci. Monsieur Philippe Guillaume, du groupe des entreprises. Bien, monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les conseillers. Réfléchir dans le même avis au concept de jeunesse et de ruralité n'est pas simple, car ces deux notions sont loin d'être parfaitement définies, vous l'avez vu. De plus, dans un travail à deux sections, il est parfois compliqué de trouver une cohérence globale. En outre, l'absence de statistiques précises, récentes et fiables sur le sujet n'a pas permis d'abonder les travaux de manière satisfaisante. Les débats ont été cependant fournis, parfois passionnés, mais toujours constructifs. Et je dois à cet égard féliciter l'ensemble des membres de ces sections pour ce travail au nom du groupement des entreprises. Le monde évolue. Les territoires ruraux n'échappent pas à ces bouleversements, d'autant que l'émergence des métropoles a pour conséquence la concentration de la richesse, de l'activité économique et sociale, ce qui contribue sans doute à la désertification des territoires ruraux. Même s'il n'est pas souhaitable d'opposer nos concitoyens entre eux, force est de constater que les quartiers éligibles à la politique de la ville ont fait l'objet d'investissements massifs, alors que d'autres territoires ont été beaucoup moins dotés. Dans le même esprit, et sans tomber dans le misérabilisme, nous pouvons affirmer qu'une partie de notre jeunesse se sent parfois abandonnée, laissée pour compte et a le sentiment de ne pas avoir la place qu'elle mérite dans notre société. C'est la montée des populismes. Pourtant, pour le monde de l'entreprise, cette jeunesse représente une véritable force, une richesse, une source de dynamisme indispensable. Ceci étant dit, le groupe des entreprises souhaite faire deux remarques. La première, concernant les campus ruraux de projet, ils constituent une initiative certes intéressante, à condition qu'elle ne contribue pas à une charge supplémentaire pour nos entreprises. À cet égard, le réseau consulaire, chambre de métiers, chambre d'agriculture, chambre de commerce, les syndicats professionnels et interprofessionnels présents sur l'ensemble du territoire doivent être les interlocuteurs privilégiés de ces campus afin qu'un dialogue permanent s'instaure et s'amplifie entre ces lieux d'innovation et le monde économique. C'est ce que nous souhaiterions. En deuxième lieu,
du point de vue du groupe des entreprises, toujours, l'essor du numérique et les progrès de la technologie doivent permettre de mieux connecter les jeunes avec le monde qui les entoure. Le numérique n'est pas un gadget pour les urbains hyperconnectés. Le monde du numérique, c'est une évolution, presque une révolution aussi importante que la machine à vapeur en son temps. C'est les repères qui changent. Dans l'espace, je dirais, l'espace géographique, dans le temps, cela permet effectivement d'évoluer, de construire un nouveau monde. Donc ces paramètres ont changé, et dans ce cadre-là, cette nouvelle société qui doit nous permettre de répondre à toutes ces problématiques des espaces ruraux au profit des jeunes, le numérique revêt une question importante, tant sur les questions de formation, de santé, de mobilité, de recherche d'emploi, de logement, d'accès à la culture. Pour peu que notre pays soit capable de réduire cette fracture numérique en investissant d'une part sur la formation, une formation adaptée, mais également à une couverture numérique suffisante, et notamment dans l'espace rural. En quelque sorte, il faut créer un écosystème favorable au rapprochement du milieu rural et de sa jeunesse au reste de la nation. Voilà un grand défi auquel nous aurons affronté ensemble demain. J'espère que le contenu de ces travaux méritera sans doute d'autres avis, tant les sujets à traiter sont considérables. En tout cas, le vote du groupe des entreprises sera positif sur cet avis. Merci. Monsieur Hervé Le Boulet, Environnement et Nature. Être jeune, jeune en zone rurale, Daniel, Bertrand, qui l'est petit peu, Jean et quelques autres, rappelez-vous, 6h35 février, en pleine brousse, au carrefour, à attendre le car scolaire. Il fallait en vouloir, et on n'avait pas le choix, parce que les parents diraient, faut que tu fasses des études. Donc, être jeune, ça n'a pas changé, vous voyez. Peut-être que les bus sont un peu plus confortables. Être jeune en zone rurale, c'est cumuler des inégalités générationnelles partagées par tous les jeunes, accès aux aides sociales, accès au premier emploi, et des inégalités territoriales partagées par les autres habitants, en particulier la faible densité de services. Face à ça, il y a une réponse en termes d'aménagement, en particulier en termes de mobilité durable. Mais l'aménagement, l'équipement ne suffit pas. S'il n'y a pas de création de valeur par le travail au niveau des zones rurales, il n'y aura à venir ni pour la jeunesse, ni pour ces zones rurales, et on ne pourra pas avoir des jeunes qui restent, et on ne pourra avoir de jeunes qui s'installent. On a travaillé ici, et on a montré qu'il y avait des richesses importantes à créer en termes d'emploi, en termes de développement économique, autour de la transition économique, transition écologique. On a eu plusieurs avis sur le sujet. Le campus de projets ruraux répond à ces enjeux économiques et environnementaux sans les déconnecter des enjeux sociaux et culturels, et ça c'est important, on ne peut pas avoir l'économie d'un côté et le reste de la vie de l'autre. Mais rien ne sera possible sans l'implication des acteurs des territoires. C'est pourquoi nous soutenons particulièrement la préconisation sur la compétence obligatoire jeunesse dans les collectivités, les EPCI. On pourra nous expliquer que ce n'est pas possible, qu'il n'est pas le temps de changer des lois comme la loi NOTRe, mais il y a un chiffre qui est terrible. 92%, autant dire quasiment tout le monde, des jeunes ruraux n'ont plus confiance dans le Parlement, qui est l'un des cœurs de la démocratie. Si on ne prend pas garde à cette rupture, alors il ne faudra pas s'étonner qu'un matin ou un soir, à 20h30, on sera là en disant « Mais qu'est-ce qui a donc bien pu se passer ?» On ne peut pas lâcher sur cette idée de compétence obligatoire, jeunesse, parce qu'on sait que ça ne viendra pas tout seul. Les politiques jeunesse, en conclusion, embrassent tout l'avenir des régions rurales. Il y a trois mesures phares, le pacte, le campus et les compétences. Et finalement, ce projet d'avenir renouvelle une vieille idée
vivre, travailler et je rajouterai décider ensemble au pays. Mais tout cela n'émergera ni spontanément, ni sous le seul effet du marché. Le groupe votera évidemment ce texte et on voudrait souligner également la qualité du rapport qui l'accompagne, qui mérite une large diffusion et promotion. Merci. Merci. Monsieur Stéphane Génic, pour le groupe de la Mutualité. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs, chère Tonia, chère Mylène, chers collègues, notre Assemblée s'est penchée à plusieurs reprises sur la place des jeunes dans notre société, et en particulier sur la question de l'accès aux droits. Cette saisine gouvernementale nous offre l'occasion, au fond, de prolonger, à travers nos préconisations, la vision de notre Conseil sur la juste reconnaissance de la jeunesse dans notre pays, d'appréhender la question ô combien importante de la jeunesse en milieu rural à travers une approche globale qui implique l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire nous, bien sûr la puissance publique, les élus, les acteurs de la société civile organisée et les jeunes eux-mêmes. Les rapporteurs, dont nous saluons très chaleureusement le travail, se sont attachés à mettre en lumière la diversité de cette jeunesse, mais aussi à répondre aux questions qui touchent à la vie quotidienne des jeunes. La question n'est pas institutionnelle. La question, c'est de répondre à ce qu'ils vivent. L'accès à la formation, au logement, au numérique, à la mobilité, aux loisirs et à la culture, ainsi qu'à la santé. La reconnaissance du rôle central des missions locales que vous pointez doit être pour nous renforcée et confortée sur l'accompagnement des jeunes dans leur parcours d'insertion et de vie. Ainsi, l'accès à la santé, qui constitue un droit fondamental, doit être intégré plus fortement à cet accompagnement. Engagée dans la lutte contre les inégalités sociales de santé, la Mutualité française a ainsi développé, en direction des professionnels, des missions locales, des actions de formation et conçu un outil inédit d'aide à l'orientation des jeunes en matière d'accès à la protection sociale, à la complémentaire santé et aux dispositifs d'accès aux soins, ainsi qu'aux dispositifs de prévention et d'éducation à la santé. Au-delà de l'information, une offre de soins et d'accompagnement sur le territoire rural suffisante est indispensable. La question de la garde d'enfants est particulièrement importante, avec des conséquences sur la vie professionnelle des jeunes femmes. Aussi, le réseau mutualiste de la petite enfance a voulu s'adapter aux besoins des familles en développant à 50% de son offre petite enfance en milieu rural. Rares sont aujourd'hui les acteurs qui investissent le milieu rural. Et sur la question de l'égalité femmes-hommes, le rapport souligne des différences face à la formation, à l'emploi ou encore aux pratiques associatives plus marquées encore sur les territoires ruraux. Ainsi, le groupe de la Mutualité soutient toutes les actions en matière d'orientation et de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes. Vous soulignez un sujet particulièrement important, la mobilité des jeunes, qui fait face à un double défi. Tout d'abord, faciliter l'accès aux études et à l'emploi d'une part, et d'autre part, rendre les territoires ruraux suffisamment attractifs pour que les jeunes entre guillemets expatriés, reviennent ou que d'autres s'y installent, s'impliquent dans la vie locale et créent la dynamique nécessaire au développement des territoires. En proposant des espaces d'accompagnement à la création d'activités, le projet d'avis répond à ce double défi. La mise en place de campus ruraux de projets, non seulement dédiés à la création d'activités économiques, mais aussi sociales, culturelles ou de projets citoyens, est une traduction concrète de ce projet qui associe l'ensemble des acteurs, et ils sont nombreux. Acteurs associatifs, acteurs coopératifs, bref, tous ceux qui font aujourd'hui la force de l'économie sociale et solidaire. Et en pointant les chambres régionales de l'ESS comme étant des lieux qui peuvent proposer des outils adaptés et collectifs aux jeunes de ces territoires est en effet particulièrement important pour nous. Les propositions du projet d'avis visent à rétablir la confiance des jeunes par des mesures qui prennent en compte leurs aspirations et leurs besoins sur l'ensemble du territoire et contribuent à la contribution d'une politique pour, par et avec la jeunesse, ce qui pose bien entendu la question de la place qui leur est donnée dans le débat local et national. C'est pourquoi le groupe de la Mutualité soutiendra les propositions. J'ajoute peut-être un sujet, qui est que quand on pense la jeunesse, on pense à la fête, on pense à la vie. Probablement que notre rapport est un peu trop sérieux, mais les enjeux le nécessitent, et je suis persuadé que nous arriverons à le faire passer également comme étant un élément de la vitalité de notre territoire et de notre pays. Je vous remercie. Merci. Madame Laure Delair, organisation étudiante et mouvement de jeunesse. Alors, je vais essayer d'être pas trop sérieuse. Non. Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, chers collègues, moi, je voudrais commencer par un chiffre qui a été cité par, lors de la présentation de cet avis. Ce chiffre concerne la confiance des jeunes vis-à-vis du Parlement. Si la confiance dans le Parlement est restée stable entre 1990 et 2008 chez les jeunes urbains, il est passé de 64% à 38% chez les jeunes ruraux.
Ces chiffres nous interrogent, je pense, tout particulièrement, évidemment, parce que ça interroge des institutions comme le CESE, ça interroge aussi nos organisations qui ne sont pas exonérées de ces débats-là. Mais le travail qui nous est présenté met en évidence la responsabilité qui est la nôtre, celle de la société civile organisée. Nous ne devons sacrifier ni les territoires ruraux, ni les jeunes qui y vivent, car ils sont les ressources indispensables pour permettre les transitions immenses que nous devons enclencher. Il est urgent d'agir pour que la géographie ne restreigne pas l'accès aux droits. Si, comme nous le disons souvent au CESE, nous ne devons pas faire d'économie de démocratie, nous devons également investir dans ces territoires et dans ces jeunes. Notre souhait est que chaque structure se questionne sur la place faite aux jeunes dans les projets de territoire. Le groupe salue ce projet d'avis qui ne tombe ni dans la carte postale, ni dans un tableau grisâtre et pleurnichard. Les préconisations faites donnent des réponses nouvelles, concrètes et percutantes. Si elles sont mises en œuvre, elles changeront la vie des jeunes dans les territoires ruraux, mais pas seulement. En favorisant l'accès aux droits, à la culture, à la mobilité, à l'éducation, en favorisant l'égalité femmes-hommes également, ces préconisations changeront également la vie de ces territoires qui sont pour certains en grande difficulté. Enfin, les préconisations posées sont quelques réponses qui doivent, par leur mise en œuvre, écarter sur ces territoires la tentation du repli sur soi et du repli identitaire et xénophobe qui naît de l'ignorance et du sentiment d'abandon souvent justifié. Le groupe est également satisfait que des travaux croisant les préoccupations de la jeunesse et les spécificités liées au territoire aient été réalisés. Ils mettent le projecteur sur tout un pan de la population dont l'invisibilité dans le débat public n'a pas permis de développer des mesures fortes d'amélioration des droits. Cette même invisibilité est à l'origine du peu de données et d'enquêtes existantes qui ont un peu complexifié nos travaux en section. Le groupe alerte sur la nécessité de poursuivre les travaux du CESE par un renforcement de l'expertise de la situation des jeunes dans les territoires ruraux. Enfin, ces travaux s'ajoutent à d'autres avis du CESE touchant la jeunesse et contribuent, à mon sens, avec ces derniers avis, à la constitution d'une feuille de route solide en matière de politique jeunesse. La place faite aux jeunes dans notre instance, le CESE, a largement contribué à cela. Le groupe regrette qu'à la fin d'un quinquennat dont la jeunesse a été la priorité, encore de trop nombreuses préconisations du CESE n'ont pas été prises en compte. Et si on a bien entendu Monsieur le Ministre en début de séance, tout ne peut pas aller aussi vite que l'on voudrait, mais certaines préconisations dans cet avis, il nous semble, peuvent être mises en place rapidement et changer beaucoup de choses pour les jeunes. Pour conclure, le groupe souhaite saluer les acteurs et en particulier les jeunes qui s'investissent chaque jour pour faire vivre les territoires ruraux, les rendre plus ouverts, dynamiques et accueillants, et cela souvent avec peu de moyens. Le groupe remercie les rapporteurs de cet avis qui ont mené un travail, ça a été dit, complexe dans un délai particulièrement restreint et contraint. S'il ne fallait retenir que deux choses, je voudrais citer Tonia Courcelle et Mylène Osmond qui sont intervenues en début de séance. Faites confiance aux jeunes, laissez-nous être acteurs de nos territoires, pleinement acteurs. Le groupe votera cet avis, fier de porter pour la troisième fois de cette mandature un avis du CESE. Merci pour votre confiance. Merci. Madame Inès Bouchot-Choisy, du groupe de l'Outre-mer. Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, Monsieur le Rapporteur, mener une réflexion sur la place des jeunes dans les territoires ruraux, c'est s'interroger plus largement sur les politiques mises en œuvre pour redynamiser les zones rurales en pleine mutation. Les défis à relever, nous les connaissons, ils sont multiples. En particulier, comme le souligne le rapport, les difficultés d'accès aux services publics et aux soins, l'insuffisance de logements adaptés, la fracture numérique persistante, la pauvreté de l'offre de formation et d'emploi, ou encore l'accès à la culture plus restreint. Dans les Outre-mer aussi, nos jeunes sont confrontés à ces mêmes difficultés, comme le rappellent les deux avis traités par notre Assemblée sur l'avant-projet de loi de programmation en faveur de l'égalité réelle et celui consacré au défi de l'insertion professionnelle des jeunes ultramarins que notre Assemblée a voté. Ces dernières années, les initiatives politiques en faveur des jeunes et des ruralités ont été nombreuses. Rappelons-le, il y a eu l'organisation des assises ainsi que des comités interministériels de la ruralité, l'organisation des comités interministériels de la jeunesse se traduisant par l'adoption de tant de mesures et de plans.
Si nous voyons des avancées aujourd'hui, le constat que nous avons posé au cours de nos travaux nous montre combien les défis sont encore nombreux et d'autant plus difficiles à traiter de manière pertinente qu'il existe une extrême diversité des espaces ruraux et des jeunesses. Ainsi, les objectifs prioritaires à mettre en œuvre résident d'abord dans le renforcement du principe de solidarité pour tendre vers l'égalité réelle. Cela passe par l'élaboration des pactes dédiés, car il s'agit de répondre concrètement par des moyens adaptés à chaque cas, en visant plus spécifiquement l'égalité femmes-hommes, l'accès au logement, à la santé, à l'emploi, tout en développant l'offre de mobilité. Ensuite, dans l'extension du principe de subsidiarité, car l'objectif n'est pas de traiter uniformément les situations différentes, notamment par l'adoption de la compétence jeunesse à l'échelle des communautés de communes ou par le renforcement des possibilités d'action des missions locales et des chambres consulaires. Enfin, en faisant des campus ruraux de projets, des espaces d'innovation et d'expression, cette jeunesse doit être la pierre angulaire de l'aménagement des zones rurales et de leur revitalisation, ce qui impose de les associer davantage à la construction des politiques publiques pour faciliter leur intégration socio-économique. Car cette jeunesse a le sentiment que la société se construit sans eux, alors qu'ils ont tant de projets et d'idées à apporter. Plusieurs recommandations de cet avis pourraient être judicieusement déclinées également dans nos territoires ultramarins. Le diagnostic et les outils à mettre en œuvre sont clairement définis. C'est maintenant aux acteurs publics de réinstaurer la confiance rompue avec cette jeunesse pour donner à chaque jeune l'envie d'agir pour et avec les autres. Le groupe de l'Outre-mer félicite les rapporteurs pour le travail extrêmement riche proposé tant dans l'avis que dans le rapport pour faire progresser l'égal accès de tous à l'égalité réelle. Le groupe de l'Outre-mer votera l'avis. Merci. Monsieur Jean-Louis Cabrespine du groupe des personnalités qualifiées. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Présidents de section, Madame, Messieurs les rapporteurs et chers collègues. L'objet de ce rapport et de cet avis, tous deux de qualité, s'inscrit dans ce sentiment diffus du monde rural, d'un certain abandon au privilège du milieu urbain. La question de la jeunesse et de la ruralité est un sujet qui touche à l'aménagement du territoire et à la lutte contre les disparités territoriales. En effet, si nous pouvons noter avec satisfaction l'effort important pour les jeunes de milieu urbain, nous constatons dans le même temps, sans les opposer, combien certains territoires ruraux sont encore en déshérence, avec une jeunesse qui connaît des difficultés d'insertion, de chômage, de déscolarisation, de santé et d'exclusion, souvent identiques à celles des territoires urbains, mais pour lesquelles les propositions de résolution sont moindres. De ce fait, aborder la question de la place des jeunes au regard de leur lieu de vie, rural en l'occurrence, répond à la nécessité d'adapter les politiques pour la jeunesse aux conditions dans lesquelles elles se trouvent. Les travaux menés par les deux sections ont pointé ces difficultés pour aboutir à des propositions autour de trois axes importants. Premièrement, sur la compétence jeunesse territorialisée, l'absence d'une collectivité identifiée compétente en matière de jeunesse pour les plus de 16 ans ne permet pas d'établir une véritable politique. Le morcellement par domaine de responsabilité des pouvoirs publics est dommageable car ne permettant pas une intervention globale auprès et avec les jeunes. Il est donc important d'avoir une collectivité locale identifiée au plus près des territoires ruraux. Deuxièmement, sur la création des campus ruraux, il s'agit d'une réponse possible, mais elle doit s'inscrire dans une vraie politique de territoire dans laquelle tous les acteurs locaux accepteraient de s'investir. Troisièmement, sur le pacte jeunes ruraux, l'absence d'offres de proximité ou de prise en compte des difficultés de mobilité, physique comme psychologique ou sociale, pour suivre une scolarité secondaire, conduit à une orientation privilégiée vers des formations techniques et professionnelles. Faciliter l'accès aux formations générales ne suffira pas à apporter des solutions à des situations souvent composées de plusieurs problématiques imbriquées. Ces trois axes ne seront possibles que si le traitement des territoires ruraux se fait par une approche holistique. Nombre de réponses ne peuvent se construire qu'à partir d'une appréhension globale du territoire et des populations. Traiter de l'autonomie, sans parler des questions de transport ou d'habitat adapté, parler des services sans souligner la moindre présence de ceux de l'État,
Vouloir donner aux jeunes les chances de s'insérer et de poursuivre un parcours sans que les moyens de couverture numérique soient suffisants sont autant de handicaps forts qui doivent faire l'objet d'actions particulières en les mettant en corrélation entre elles pour une plus grande efficacité. Cette autonomie passe aussi par l'accès au travail dans des bassins d'emploi souvent dépourvus d'offres. Les jeunes y sont souvent considérés comme incapables d'occuper les emplois à pourvoir, mais peuvent aussi être en position de refus face à des offres qui ne correspondent pas à leurs attentes. Cela veut dire aussi que la place des jeunes passe par leur implication dans la vie locale. Permettre aux jeunes de siéger dans les instances décisionnelles avec des bonus pour les collectivités qui feront les efforts nécessaires à cette implication est une bonne proposition. De même, il est important que le tissu associatif local favorise la prise de responsabilité des jeunes. La citation fréquente, voire systématique, des associations et des missions locales comme lieu ressources pour les jeunes est symptomatique de l'abandon de ces territoires et des jeunes qui y vivent. Ces deux formes de structures sont repérées par les différentes personnes auditionnées comme étant les dernières organisations présentes au plus près des territoires. Des moyens supplémentaires doivent être déployés pour faciliter leur intervention. Cette saisine a permis un travail de fond sur la jeunesse comme sur la ruralité. Le sujet était large et la mobilisation de deux sections n'était pas de trop. Je vais sans doute aggraver mon cas en dépassant encore un peu, mais je tiens à dire que la compétence, la patience, l'écoute, la compréhension des deux rapporteurs et des deux présidents ont permis que nous aboutissions à un avis et à un rapport cadré, circonstancié et faisant l'objet de préconisations pertinentes. Je veux ici remercier nos deux présidents, Evelyne et Xavier, et nos deux rapporteurs, Daniel et Bertrand. Sans eux et sans les administrateurs, et particulièrement pour notre section, Philippe, Guénaël et Hélène, nous n'aurions jamais réussi à tenir les échéances et à apporter des propositions construites. Merci à tous. Compte tenu de la qualité du travail réalisé, je voterai cet avis. Merci. Je vais appeler M. Gérard Asquiri, qui a été mandaté par Mme Cécile Claverol, ayant eu un empêchement. Cécile Claverol a eu un rendez-vous imprévu à l'Élysée pour présenter son avis sur l'agroécologie, et elle m'a demandé de lire le texte qu'elle avait prévu. Je le fais d'autant plus volontiers que je partage son appréciation, et ça me permet de féliciter les deux rapporteurs. Donc son texte. Cet avis et le rapport qui l'accompagne dressent un état des lieux particulièrement approfondi de ce que l'on peut savoir et des jeunes et des territoires ruraux avec les outils actuels. J'apprécie la qualité du travail fourni et des analyses proposées et je partage entièrement les préconisations. La question était complexe et peu documentée. Un jeune, on pense savoir à peu près ce que c'est. La définition des territoires ruraux, ça se complique, car la définition du rural diffère selon les critères que l'on choisit. C'est très bien expliqué dans le rapport. Et les jeunes dans les territoires ruraux se trouvent à l'intersection de deux questions de société pas faciles à appréhender. Aussi, la qualité de la réponse est encore plus évidente quand on mesure combien le sujet est difficile à délimiter. Aussi, je voudrais juste ici apporter quelques points de réflexion complémentaires et en regret. Je vais commencer par le regret, histoire de terminer par du positif. Le regret, c'est que dans les modes de mobilité qui manquent cruellement dans les espaces ruraux, le train ne soit pas cité comme mode de transport à réhabiliter. La SNCF a complètement abandonné des milliers de kilomètres de chemin de fer qui innervaient nos campagnes. Manque de rentabilité, manque de voyageurs, manque d'offres, le dernier créant le premier. D'autres pays ont fait d'autres choix, comme la Suisse ou les Pays-Bas. Et le chemin de fer est quand même le moyen de transport le plus sûr et parmi les moins polluants. Or, il serait facile de cibler les jeunes en leur offrant des tarifs ultra-préférentiels, comme certaines rares régions le font. Quelques points de réflexion maintenant. Pourquoi toujours séparer, sectoriser, segmenter ? Les jeunes à la campagne ne sont-ils pas avant tout des jeunes, comme ceux des villes ? Certes, il y a quelques chiffres statistiques qui varient, mais l'aspiration de la jeunesse doit-elle être différente selon le milieu dans lequel elle vit ? En discutant avec les uns et les autres, nous sommes assez d'accord pour constater que les problématiques des jeunes dans les campagnes ne sont pas très différentes de celles des jeunes dans les villes et leurs banlieues. Les relations ville-campagne semblent souvent dessinées comme un miroir aux alouettes tendu par la ville. Heureusement, cet avis évite cet écueil. Cependant, pour vouloir cesser d'opposer les milieux, les gens, leur mode de vie, leurs âges, il faut recréer de la mixité. Ce que notre société est en train de perdre, c'est la mixité
génératrice d'échanges, d'enrichissement mutuel, de partage et de coopération. Mixité d'âge, de catégories socio-professionnelles, d'usage. Tant que l'on cantonnera les bureaux dans un coin, les magasins dans un autre, les terres agricoles au milieu, parce qu'il faut manger quand même, les jeunes ruraux perdus dans leur campagne et les jeunes des banlieues mettant le feu dans leurs immeubles et les vieux dans d'autres maisons. Excusez-moi la brutalité des mots, mais ils permettent une meilleure visualisation. Parce que l'habitat n'est pas adapté, parce qu'on privilégie des segmentations, parce que le foncier n'est pas contrôlé. Le résultat social est catastrophique. Alors, remettons un peu de lumière et d'attractivité dans nos campagnes. Oui, plus de mobilité, de santé, de formation. Imaginons de nouvelles mixités dans l'utilisation de l'espace. Arrêtons de cloisonner et proposons des interconnexions. Et proposons aussi des discours éclairants et non manichéens. Des discours de cadre de vie et de cadre d'envie et de relation à la nature. Redonnons de vraies raisons aux jeunes d'aimer le rural, mais surtout, redonnons du sens social à nos vies. Bien évidemment, je voterai cet avis avec tous mes remerciements pour le travail fourni. Merci. Michel Chassant, pour le groupe Profession Libérale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, les jeunes sont attachants, tendres, combatifs et très lucides. Ils ont faim et soif de tout et sont animés d'une forte volonté d'avancer. Ils l'ont d'ailleurs prouvé tout à l'heure lors de leur intervention en début de séance. Ils rêvent tous d'indépendance. Mais comme le rappelle la saisine du Premier ministre, la jeunesse n'est pas un ensemble uniforme. C'est particulièrement vrai pour celle qui vit dans les territoires ruraux. Forte d'1,6 million de jeunes, elle mérite une attention particulière. En effet, comme le constatent tous les professionnels libéraux, omniprésents au milieu rural, la jeunesse de ces territoires est confrontée à de nombreuses difficultés, notamment en termes de mobilité, ça a été dit, d'accès à la formation, au logement, à l'emploi, à la culture, aux services en général. Et les femmes, ça a été dit également, étant encore plus touchées par ces inégalités. On entend aussi les propos de Nadège Winter, cofondatrice de Twenty, un e-magazine rédigé uniquement par les 16-25 ans, qui dit « Ne venez pas leur parler de politique, ce n'est pas un sujet. Ils trouvent les hommes politiques globalement nuls, déconnectés du réel. » Perception sans doute accrue par l'éloignement des lieux de décision et le développement des intercommunalités. La perte de confiance dans les institutions représentatives, le sentiment d'abandon contribue à une certaine défiance de la jeunesse rurale qui se traduit notamment par l'abstention et les votes extrémistes. Le groupe des professions libérales soutient les préconisations de l'avis visant à intégrer les questions liées à la jeunesse dans les politiques publiques locales, avec notamment la mise en place de projets jeunesse-territoire, fondés sur des diagnostics partagés. C'est effectivement à l'échelle des bassins de vie que les solutions les plus efficaces et les plus pragmatiques seront trouvées. En impliquant les jeunes et tous les acteurs de la société civile, en faisant évoluer les pratiques, en apprenant aux adultes à écouter, à dialoguer avec les jeunes, à mieux les comprendre, pour agir efficacement en faveur de l'attractivité de ces territoires. Les professions libérales ne peuvent que souscrire au développement des campus ruraux de projets dédiés à la création d'activités, à l'innovation, associant les jeunes et les encourageant à développer leurs projets. Au-delà des acteurs institutionnels que sont les chambres consulaires, les services de l'État, ou les collectivités locales, les entreprises libérales participent activement à la vitalité des territoires. Elles sauront être des partenaires de ces campus, contribuant notamment à motiver les jeunes à oser s'installer localement. Mais toutes ces initiatives ne pourront pas se développer, et on le dit à chacun des avis quasiment, tant que l'ensemble du territoire ne bénéficiera pas d'une couverture numérique à très haut débit. Téléphonie mobile et Internet, favorisant par ailleurs la mobilité, l'accès à la formation, à la culture. Or, il faut bien le constater, nous en sommes encore très loin. Certes, la ruralité est une chance pour la France, mais sa jeunesse aussi. Nous devons lui offrir les moyens de construire les territoires ruraux de demain, dynamiques et attractifs. Vous l'aurez compris,
Le groupe des professions libérales votera évidemment cet avis et remercie ceux qui l'ont fait, en particulier les rapporteurs. Merci. N'ayant pas de demande de prise de parole, nous allons donc procéder au vote et je déclare le scrutin ouvert. Est-ce que tout le monde a voté ? Pas de manifestation, je pense que c'est le cas. Donc je déclare le scrutin clos et vous allez voir que la règle devient celle de l'unanimité dans cette assemblée. Bravo. Félicitations. Merci aux deux rapporteurs, bien sûr, merci aux deux jeunes qui ont apporté leur témoignage très intéressant, avec beaucoup de volonté. Et je vais céder la parole, peut-être quelques instants, aux deux présidents des deux sections qui ont fait un travail en commun, voilà, innovant ce travail intersection, toujours original. Donc si vous souhaitez dire un mot, je vous passe la parole. Oui, ben, je voudrais bien sûr, dans un premier temps, remercier les rapporteurs. Et le résultat du vote montre bien la qualité du texte. Remercier l'ensemble des conseillers des deux sections qui se sont énormément impliqués. Et ce que je dis là n'enlève rien à ce qu'ont fait les rapporteurs. Mais vraiment, on a senti deux sections dont chacun avait vraiment envie de bonifier le texte, d'avancer, de cadrer, d'arriver à trouver un fil rouge qui n'était pas facile à trouver, effectivement, tant le sujet paraissait... filandreux, si l'on peut dire, au départ, en tout cas difficile à cadrer. Et c'était une expérience par ailleurs intéressante de transversalité, de travail entre deux sections. On sait que c'est l'un des chantiers du Conseil aujourd'hui. Je crois qu'il faut multiplier ces expériences, ces façons de faire, et puis en tirer peut-être un certain nombre de leçons pour, à l'avenir, pouvoir le faire de façon encore plus efficace. Je n'en dirai pas plus, je laisse... Alors je voulais aussi dire quelques mots. Tout d'abord, je voudrais présenter les excuses de la présidente de la section, puisque ce n'est pas moi. C'est Evelyne Duhamel qui ne pouvait pas être là aujourd'hui pour des raisons de santé. Mais donc elle m'a demandé de la représenter. Donc bien sûr, je me joins à tout ce qu'a dit Xavier. On a pu travailler les deux sections avec à la fois beaucoup d'échanges et d'efficacité. Je voulais noter quand même un travail très original que nous a proposé Daniel et Bertrand, puisqu'on a passé une journée, en dehors de nos journées traditionnelles de travail, avec des jeunes le jeudi 13 octobre, si ma mémoire est bonne, où des jeunes ont été invités et nous avons pu échanger avec eux, approfondir les questions. Ça a été pour nous un moment, parce que c'est vrai qu'on savait pas trop où on allait, on était un peu tout azimut, et grâce à cette journée, ça nous a permis de nous recentrer, de bien comprendre où on voulait aller, quels étaient les principaux enjeux, et je crois que grâce à ça, on a très bien travaillé. Donc c'est un mode de faire, même si Monsieur le Président, il a peut-être coûté 2-3 francs 6 sous de plus, et on vous en remercie, qui a été efficace et qui a permis d'avoir un rapport et un avis de qualité et adopté de cette façon. Et alors pour terminer, de façon traditionnelle, je crois que avec nos deux rapporteurs, nous sommes conviés à l'étage en dessous. Tout à fait. En tout cas, merci pour le travail réalisé. Et rendez-vous au 24 janvier. Merci bien. Je lève la séance.